nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be the man? Ouais, il me l'a mis. Il est au courant. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been. Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of Jean is not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir avant, personne. Opi a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à mon gosse et que pourtant je j'ai jamais été imposteur. Faire une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote c'est Dark 6 PS4, il avait fait un kill toi avec une putain de one tap avec caméra, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de. Jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour! Non, faut que tu me laisses sortir! Oh, il a! Non, il a vraiment claqué! Non! Oh, tu m'as troll! Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax! On a les manodas! On a les animaniacs! Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? Ou la gratouille? Oui, 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 allez, ferme ta gueule. Ah, bon coucou. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je veux les prendre, je pense que je vais rentrer. Oh! Double citadelle! Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Un petit cul. Oui petit cul. Oui 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 petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école, la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de L, de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solti Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tout va bien pour vous sur le campus de cette Solti Academy. En ce samedi, ouais, microclimat, mais chez vous, je suis sûr, il fait beau. Allez, rentrez. Bon, du coup, j'espère que ça va, comme je le disais, comme je l'avais mis en ouverture du stream. Attendez, je vais me mettre de la musique derrière. Enfin, si, ça veut bien marcher. Ah, voilà. Comme je le disais, en ouverture du stream, pas en ouverture du stream, qu'est-ce que je raconte? Putain, mais vas-y, mais fais pas chier, toi. Ah, là, c'est bon. Du coup, dernier stream avant le week-end. Il n'y aura pas de stream sur le campus demain, comme d'hab, hein, comme souvent les dimanches. Yo, salut BabyCat. Comment va l'homme le plus beau de toute la planète? Salut Céal BLF, Yo64, salut Joe16, bonjour Monsieur le Proviseur, salut The Big Lobgan, Vix Low, The Wharf Cox, Block Lézard, comment ça va tout le monde? Salut Jumper, salut Itni, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée, hein, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Attendez, je vais mettre ça pour remercier les personnes qui ont déjà payé leur droit de scolarité, j'en ai vu un tout à l'heure. Un ou une? Je ne sais pas. Allez, vas-y, charge-toi, toi. Merci infiniment, Roach and Roll. Nice, le jeu de mots. Nouvel étudiant du campus de la Solti Academy. Bienvenue à toi. Merci aussi à Jokti, nouvel étudiant du campus qui a payé ses droits de scolarité quand les portes du campus étaient fermées. Merci infiniment, Jokti. Un monstre. Merci beaucoup, vraiment. Yo, gros BG de la street, c'est vous, les BG. Aïe, 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 qu'est-ce que vous êtes beau. Et toi, ça va? Ouais, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Merci infiniment, en tout, US CMU, pour rejoindre le Solti Fan Club, les followers du campus de la Solti Academy. Et vous, alors, quoi de neuf? Hein? Salut Syst4, salut Donane, comment ça va? Bien, en ce samedi, vous avez prévu quoi de beau ce week-end? Vous allez sortir un peu? Vous allez voir la famille? Non? Vous allez voir les amis? Non? Vous allez voir votre mec, votre meuf? Hein? Vous allez faire une randonnée? Ou alors, vous avez décidé de pas bouger votre cul en mode Netflix et Twitch? Je suis devenu agent de sécu. Putain, la vache, BabyCat, t'es devenu agent de sécu? Sérieusement? Ok, dans quoi? C'est ça, donne-nous, dis-nous. Merci infiniment, Razors, de commencer les hostilités et d'offrir la possibilité à STM Memphis de payer depuis 2 mois ses droits au sein du campus de la Solti Academy. Merci infiniment, Razors. Merci beaucoup, Poulette, t'es un monstre. Merci beaucoup, vraiment, tu régales. Ça te dit de me former au clavier souris? Boss, je suis level 40, j'étais sur Xbox avant. Sur quoi? Sur R6? Hello le chat, les modos, et bien sûr 6-4. Salut John Rose. Oui, oui, dans les ventes et le privé. Ah ouais, vrai sécu, quoi. Avec le petit berger malinois ou pas? Hein, voilà, quoi. Barbecue, bière, soleil, tomate cerise. Ah ouais, ça, c'est le bon plan, ça. Ah, ça, c'est le bon plan, quoi. Oui, R6. Ouais, non, former, mais il y aura les teachers de toute façon, comme d'habitude. Yo, Pulse, ah, super drôle. Razors, merci infiniment. Repos pour moi ce week-end, ouais, comme beaucoup, j'ai l'impression. Mais ils avaient annoncé un temps de merde sur pas mal de sur la majeure partie de la France et visiblement en fait non. Voilà, ils se sont un peu gourés, quoi. Voilà. D'ailleurs, le week-end prochain, normalement, j'en profiterai. Je ne serai pas là sur le campus de la SA. Petit week-end pêche. Hein, voilà. On va aller tâter le goujon, hein, tout simplement. Salut 6-4, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Il y a moyen que tu me fasses une petite chanson STP. Une petite chanson, mais ça va pas là, mec. Je suis pas chanteur, hein, qu'est-ce qui t'arrive? Mais joyeux anniversaire à toi, KS Neolix. Bien, quel âge du coup? Hein, voilà. Malinois, mon chien préféré avec les bergers allemands. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Bon, c'est pas mon chien préféré, mais voilà, quoi. Un petit braque de Weimar. Ça c'est la classe. Ou un petit setter irlandais, des chiens de chasse, quoi. Hein, voilà. Merci infiniment, Mathis Kou, nouvel étudiant du campus de la Solti Academy. Welcome. Bienvenue sur le campus, poulet. Un monstre. 14 ans, putain la vache, 14 ans. Tu sais que le campus de la Solti Academy, c'est 18 ans. Hein, voilà quoi. Que fait-on aujourd'hui? On parle et on te répond, Naliwal. Nalwal? Nalwal. Yeah. Salut Maxime. Un beuceron. Attends, beuceron, c'est pas un truc énorme? C'est pas un truc énorme? Putain, je vois pas à quoi ça ressemble, un beuceron. C'est pas genre méga fat, un beuceron, sérieux? Voilà. Salut tout le monde, salut Vitals. Yo yo yo, un bosseron, ouais, bosseron, parce que bosseron ça n'existait pas. Hein. Salut Yogi, je viens de te mettre la commande. Merci Shelby, t'es un monstre, poulet. 14 ans, putain la vache, 14 ans. Oh. C'était il y a longtemps, hein, voilà quoi. Quel est le programme aujourd'hui, monsieur le proviseur? On parle pour le moment, et puis après on partira sûrement sur du R6, je pense. Voilà, classique de chez classique pour un samedi. Demain, donc pas d'ouverture du campus.
Et après, lundi, voilà. On a un peu décalé, en fait, parce que c'est vrai qu'on attend énormément sur le campus le début du Youngtis Royal. Mais on attend toujours le retour de notre partenaire que j'ai relancé encore aujourd'hui, ce matin, en lui demandant quand est-ce qu'on pourra avoir une réponse. Voilà quoi. Oh nice, R6. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein, comme d'habitude, et comme je l'ai déjà dit, j'attends énormément BF6. En attendant BF6, il n'y aura pas grand-chose d'autre que R6, j'ai l'impression quoi. À part Back 4 Blood, mais tout ça, ça va être après l'été. Hein, franchement, voilà quoi. Cet été... voilà quoi. À moins que je pète un câble et je relance un Valorant ou un Tarkov quoi. S'il y a un wipe sur Tarkov, à la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais autrement, voilà quoi. 14 ans, c'était il y a 30 ans. Ça vous rajeunit pas. Moi, t'es ouf. Mais allez vous faire foutre, sérieusement quoi. Quand est-ce que tu refais du BFT? Bah, je viens de le dire. Quand, très probablement, à mon avis, quand il y aura un wipe. Hein. Ou alors un nouveau truc, tu vois. Voilà quoi. Le seul truc que je vais relancer, peut-être un PUBG, ça fait hyper longtemps. Je sais qu'il y a les drops dans pas très longtemps, ça me ferait plaisir. Le campus de la Salty Academy a commencé avec PUBG. Et je crois que j'ai une OP sur World of Warship, que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc voilà quoi. C'est rare que j'accepte des OP, mais bon, on l'avait déjà fait il y a 2 mois à peu près, l'OP sur World of Warship. Et je crois qu'ils sont venus me recontacter il y a pas très longtemps. Je leur ai dit ok, faut qu'on en discute, pourquoi pas. Ça me manque PUBG. Mais PUBG, ils ont sorti un nouveau truc, non? Ils ont pas sorti une version plus light du jeu? Sur le jeu, il me semble. Tu comptes rejouer à Counter-Strike ou pas? C'est pas prévu. Non, quitte à jouer à CS, à l'heure actuelle, autant jouer à Valorant. Hein. C'est indépendamment du jeu, hein, c'est pas vraiment le problème. Quoi. C'est plutôt Twitch. Hein, voilà. C'est assez logique. Matati avait un bosseron de 40 kilos. Il était imposant, mais c'était une crème. Ouais, c'est pas méchant comme animal, je pense. Un petit bosseron, enfin un gros bosseron. En revanche, qu'est-ce que ça doit bouffer, bordel de merde? Putain, la vache, ça doit te coûter 150 balles par mois, sérieusement, en bouffe, quoi. Non, sérieux? Je sais même pas, en fait. J'en ai aucune idée. Mais ça doit quand même pas mal bouffer ses kilogrammes de croquettes, quoi. Voilà. Le nouveau Subnautica te plaît pas? Oh, c'est pas trop ma cam, Subnautica. Voilà. Il a l'air beau, hein, mais c'est pas trop ma cam, sérieusement. Apex, ça a jamais accroché? Non, non, non. Apex, non, c'est pas prévu. C'est pas trop mon style. Ça part un peu dans tous les sens, quoi. J'ai un peu de mal avec ça. Voilà, quoi. T'as jamais voulu faire une Zedlan? Ah, j'y ai pensé, honnêtement. C'est vrai que quand on les a vus, c'est en ce moment, je crois. Quand je les ai vus, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de la faire et tout. Et c'est assez contraignant, quand même, hein, de déplacer tout le studio du campus de la Salty Academy là-bas. C'est assez contraignant. Je crois que c'est à Lyon, en plus. Voilà, quoi. On verra. La prochaine saison, tu comptes jouer avec Mary le God? Non, 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 c'est pas prévu, les amis. Oui, il est de son côté, Mary, et moi, je suis du mien. Il est sur son Maryland. Je sais pas, il doit être sur du GTRP, sûrement, en ce moment. Voilà. Voilà quoi. Voilà, voilà. T'as joué aux anciens codes B2 BO2? Non, 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 jamais, jamais. Les anciens codes, non. Jamais. J'ai jamais vraiment plus kiffé que ça, les codes. C'est quand même des super jeux. Mais bon, c'est un peu trop rapide et tout. Voilà. Après, je crois que j'ai jamais joué à Black Ops. Ça, c'est quasiment sûr. Modern Warfare, en revanche, ouais, je l'ai saigné. Ça, c'est sûr. Parce qu'il était vraiment, vraiment cool pour le coup. Pas trop multijoueur à l'époque. Il y avait trop de CS. C'était quasiment Counter-Strike pendant 15 ans, quoi. Hein, donc voilà, quoi. Voilà. Tester Warzone. J'ai déjà fait tester Warzone. On a passé quelques centaines d'heures dessus, quand même. Voilà. BF, quand même. Ah, bah, celui-là, on l'attend tous. Hein. Ça, on l'attend tous. Quand il va sortir, sérieusement, j'espère que ce sera pas une boost parce que tu vas avoir 80% du Twitch game qui va passer sur Battlefield. Ça va être un peu n'importe quoi, quoi. J'ai vu BG, je suis venu direct. Bah, bienvenue, Pigolux. Installe-toi confortablement. C'est dommage, tu rates quelque chose de pas y jouer. Ah, sûrement, sûrement. Bah, on rate toujours quelque chose, hein, de pas jouer à quelque chose, hein, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de c'est dommage. C'est mon kiff ou pas, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense pas, le mien a chopé le bras d'une mamie ayant peur des chiens une fois. Quoi, un bosseron? Sérieusement? Oh putain, la vache. Sérieusement? Putain, je pensais que c'était plutôt calme comme animal, quoi. Voilà. A plus tard, et encore joyeux anniversaire, Neolix. Bien le bonjour, salut Mergaze. Loul, loul. Bien le bonjour. L'événement pour lequel on a payé 1 million de sol timonier, il se passera quand? Les Youngtis Royal, comme je le disais, dès qu'on a le retour de la part de notre partenaire, parce qu'on aimerait bien faire en sorte qu'il ne s'appelle pas Youngtis Royal, je ne peux pas trop en dire plus, donc c'est toujours en cours. Si ça s'appelle, si ils nous disent non, de toute façon on avance comme on l'avait prévu, et s'ils nous disent ok, bah, on avancera avec eux pour le coup. Mais là, on est obligé d'attendre leur retour, on a fait une propale,
on a fait une proposition, on a envoyé la présentation. Donc voilà quoi. Salut Blunt, nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi sur le campus, poulet. Un monstre. Non, c'est un beagle, mon chien. Et la mort d'une mamie. Ah putain, un beau gros beagle. C'est beau un beagle pourtant. C'est plutôt cool quand même quoi. Voilà. Ma personne, le mien était calme. Un petit run de jeu solo, ça tente pas, genre un métro, ça serait sympa. Non, pas du tout. Je suis pas très jeu solo, moi. Je préfère les jeux multi pour le coup. Ouais. Non, c'est pas trop ma cam. Comme je disais, à part BF6 qui va sortir, sur lequel il y aura beaucoup de contenu. Peut-être le prochain jeu aussi de je pense qu'on passera un petit peu sur le prochain jeu de... comment il s'appelle? Bah, justement, ceux qui font World of Warcraft. World of Tank et World of Warship. Pardon. Machin, comment il s'appelle? Machin Gaming, Wargaming qui sont en train de faire leur FPS et on avait été invité pour l'alpha pour le coup et il est plutôt cool, vous verrez, il est simple et efficace, c'est le résumé quoi. On a déjà prévu 2-3 vidéos dessus, on attend le feu vert pour qu'ils le sortent, je sais pas, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de le sortir avant l'été ou pendant l'été parce que s'ils attendent la rentrée ça va être un peu la merde quoi, voilà quoi. Après, l'éducation donnée à un chien est aussi importante. Putain, j'ai regardé un truc sur Netflix par rapport à ça, là. Un mec qui dressait les chiens, là. Bon, voilà. Bon, il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de la façon dont c'était fait, apparemment. Bon, il y a toujours des gens qui se plaignent, de toute façon. Mais le mec était assez impressionnant, quand même. Hein. Voilà. T'imagines, sur Fortnite, me hype tellement. Eh ben, ouais, bah, j'irai pas. Et pour les maillots, tu vas aller faire pareil Dry Sport? Non, il y aura pas de question de maillot, pour le coup. Hein. Voilà, quoi. Il n'y aura pas de question de maillot cette année. Vous verrez, de toute façon. Vous verrez. Point d'exclamation Discord, point d'exclamation Twitter. Je pense que c'est le meilleur moyen de... c'est le meilleur moyen d'avoir les informations sur ce qui arrivera avec le Yunkis Royal, pour le coup, hein, tout simplement. Buongiorno. C'est pas César, le dresseur? Ouais, c'est ça, ouais. Si, c'est César. Ouais, c'est un mec aux States, là. En Californie ou je sais pas trop où, mais j'avais vu ça il y a 2-3 mois, je crois. Voilà. Vas-tu visionner le Ubisoft Forward? C'est quand? J'ai entendu parler qu'ils allaient faire de grandes annonces. Ils parlaient de Assassin's Creed et de Rainbow Six. Donc voilà quoi. Ça se trouve des annonces qui sont pas sorties au Six Invitational. J'y crois pas des masses, mais pourquoi pas. À la limite, ils vont peut-être parler de Quarantine. Je sais pas trop, honnêtement. Le 12 juin. Attends, on est le combien là? On est le samedi prochain du coup, dans une semaine. Ok. Ouais, bah je serai pas là de toute façon. Donc non. Et toi, Six, un Battle Royale pour le prochain BF, t'en penses quoi? Ah, c'est une bonne question. Vous en pensez quoi, pour le coup? Un Battle Royale pour le prochain Battlefield? Je sais pas. Je m'attends déjà à ce que dans l'ADN du jeu, tu sais, qui est toujours souvent du mode Conquest avec ou sans véhicule, 32-32, 64-64, ou là, je crois 128-128, ça va être un truc monstrueux. Déjà, faut que ça marche, ok? Après, le reste, on verra, quoi. Le Battle Royale, ça peut être le truc qu'ils peuvent faire un petit peu comme COD. Ils peuvent le sortir quelques mois après, quoi. S'ils le font en mode free-to-play, ils peuvent venir concurrencer Warzone, ça pourrait être sympa, quoi. Hein, mais j'y crois moyen. Déjà qu'ils fassent un bon BF comme on connaît BF, quoi. Ça serait une bonne chose, je pense. Voilà, quoi. Salut Lucas, salut tout le monde. T'en as pensé quoi du Six Invitational? Bah, il était cool, mais il n'y avait pas assez d'annonces, je trouvais. Pas assez de contenu, pas assez de hype. Créé. On était trop dans une logique de nouvelle saison, voilà quoi. Bien, avec des trucs moins bien, genre le post-mortem, mais pas rien de super hypant en se disant putain, qui va donner à des gens l'envie de revenir sur le jeu pour le coup, quoi. T'as déjà testé le BR de BF5? J'ai même pas testé BF5, j'ai pas testé BF1 non plus. Donc, voilà quoi. Non, j'ai testé aucun des deux. En revanche, j'avais bien aimé le fait que ce soit du feu autour et tout, c'est tout, quoi. Mais j'avais pas testé. Il a pas super bien marché, hein. Il me dit, je crois, il n'a pas des masses marché, le BR de BF. Hein? Un BF où ça court pas dans tous les sens, j'espère tellement. Ouais, ça pourrait être cool, ouais, quand même. J'ai déjà joué à Rainbow Six Quarantine, le jeu n'était pas ouf, je suis un bêta-testeur, et j'ai peur pour la communauté qui risque de crier au scandale s'il est vendu plus de 30€. Je l'ai pas testé, mais 100% des retours vont dans ce sens-là, ouais. 100% des personnes qui m'ont parlé de Quarantine et qui m'ont dit qu'ils l'avaient testé ont été extrêmement déçus. Donc, ça pue un peu la merde quand même. Merci infiniment, Meuse 37, pour les 2 mois de frais de scolarité. C'est là qu'on commence à voir les vrais étudiants du campus de la Salty Academy, ceux qui sont là au bout de 2 mois. Merci pour les 2 mois de frais de scolarité, poulet. Un monstre. Merci beaucoup, vraiment. Ça me touche énormément. Je viens d'apprendre qu'il y avait un BR sur BF5. Mais il est un peu passé inaperçu. Hein. Il n'a pas des masses marché. Hein, voilà quoi.
Les BR sur BF n'ont pas marché. Non, ils n'ont pas marché. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le... Pourquoi ils n'ont pas marché? Vous l'avez testé un peu ou pas? Il y avait du cross-platform? Ouais, ça... Firestorm, ouais, c'est le nom du BR. Ouais, je crois que c'est ça. T'en penses quoi de Ready or Not? Faudrait que je l'essaye, putain. Faudrait vraiment que je l'essaye, hein. Je l'ai toujours pas essayé. Vraiment, t'as raison, hein. J'ai toujours pas essayé. Et merci infiniment, Opis. Bah voilà, comme on le disait, c'est là qu'on voit les vrais étudiants du campus de la Salty Academy, au bout de 2 mois. Merci infiniment, Opis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour les 2 mois, t'es un monstre, s'il te plaît. Le système de loot est pas ouf. Ah ouais, c'est ça qui a tout niqué. Pourtant, il est bon. Ah ouais? Non, et sur PC, il n'y a personne, même pas 30 sur la map. Ouais, ben voilà, ça c'est toujours le problème. Hein. Ça c'est toujours le problème. Hein. Tu lances un jeu multijoueur, tu vois, et si derrière ça suit pas, s'il n'y a pas la petite hype nécessaire, bah c'est compliqué parce qu'il y a moins de joueurs et donc les gens se font chier, etc. etc. quoi. Tu le vois même sur des jeux qui sont pas BR, hein, genre Tarkov en ce moment, c'est le cas. Hein. Les gens se plaignent que les raids sont vides, par exemple. Et ça, c'est la mort d'un jeu multi. Hein. Enfin bon. Après, c'est Tarkov, c'est pas pour autant qu'il est mort. Hein. Ils vont faire un wipe, tout le monde va revenir comme d'habitude. Voilà quoi. Il y a aussi un BR sur Fallout 76, mais je crois pas qu'il ait très bien marché. Fallout 76, t'es sérieux? Ah ouais? Le jeu était déjà sur respirateur quand le BR est sorti. Quoi? BF5? Mais apparemment, il était quand même vachement bien, non? On m'a dit qu'il était vraiment bien. Des fois, j'ai masse de choses à faire et j'arrive pas à quitter le live. Eh ouais, ça arrive. C'est parce que t'es au bon endroit. Sache-le. Hein, ouais, il était payant. Ouais, non, mais ça, c'est... Je pense que vraiment, si les mecs, ils veulent sortir du Battle Royale... Enfin, si... Si Battlefield devait sortir un Battle Royale et que ce Battle Royale devait marcher, pour qu'il marche, il faut qu'il copie exactement ce que Warzone a fait, quoi. C'est-à-dire, même s'ils font un jeu qui est payant à côté avec la mentalité Electronic Arts, etc., ok, très bien, mais il faudrait idéalement que le BR soit un free-to-play et deux, cross-platform. Ça me paraît compliqué, hein, mais pas impossible. Et s'ils font ça, ouais, ça peut cartonner. Mais il faudra qu'ils ajoutent quand même une part d'originalité par rapport à Code, quoi. Il faudra qu'ils ajoutent des trucs que Code n'ajoute pas, quoi. Bon, le simple fait que normalement, il y aura la destruction des bâtiments. Imagine un Code, en fait, avec une destruction des bâtiments, quoi. Ça, c'est insane. Et merci évidemment, Azer Adri, d'avoir offert la possibilité à Mr. Kalyan, les 3 mois de frais de scolarité. Et merci évidemment, Nico, t'es un monstre. Merci, Nick. Pour les 11 mois de frais de scolarité payés au sein du campus, presque un an déjà. Vous êtes des putains de monstres. Merci beaucoup les poulets. Et les poulettes, bien sûr, tout le monde. Yeah, ont déjà Apex Legends. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, Apex Legends et BF, bon, c'est pas parce que le mode est un Battle Royale que voilà, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'il y a deux buts que Rocket League et FIFA, c'est la même chose, quoi. Voilà, le mode et la finalité est la même, mais c'est pas tout à fait pareil, quand même, tu vois. Apex, tu sautes dans tous les sens, machin. Un BR... Enfin, je sais pas, un BR sur Battlefield, ça peut être insane, quand même, non? Sur des grandes maps, genre... s'ils arrivent déjà... Ils sont partis pour faire des serveurs, visiblement, 128 versus 128, je crois. Donc, imagine un BR avec 128 personnes et avec des véhicules. Ça peut être du grand n'importe quoi, hein. Ça peut être du grand n'importe quoi, hein. Mais des véhicules, je sais pas, avec de l'essence pour éviter que, bon, tout le monde campe dans son hélicoptère de merde, quoi. Ça peut être insane, quand même. Hein. Ça peut être bien, quoi. Mais étant donné qu'il y a plus de classes et plus de choses que dans un Battlefield, que dans un code, il faudra forcément qu'il y ait des logiques de classe, quoi, qui soient un équilibre et une balance qui soit bien travaillé, quoi. Voilà, quoi. Que tu puisses facilement choper un truc anti-aérien ou s'il y a des véhicules, quoi. 64 versus 64, je crois. Non, 64 versus 64, je crois que c'était sur BF. Mais je crois qu'ils veulent augmenter à 128 versus 128, un truc de ouf. Enfin, déjà, si, enfin, 128 au total, c'est déjà insane, hein. Donc, ça, 64 versus 64, ça laisse présager la possibilité quand même pour eux d'avoir un serveur avec une map avec 128 personnes dessus. Donc, par définition, de faire un BR de 128 personnes, quoi. C'est possible, hein. C'est franchement possible. Mais des teams de combien? 2 x 64, apparemment, ouais. Non, BF, c'est 32 versus 32. Non, apparemment, ils voulaient augmenter. Ouais. Sur code, on peut bien être 150, voire 200. Ouais, merci pour le train de la hype, les amis, vous êtes des monstres. Merci, Rafoufoun, Loul, pour les 11 mois, toi aussi, de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, merci beaucoup, vraiment. Tu me conseilles qui sur Valorant? Waouh, putain, ça fait hyper longtemps que je joue à Valorant. Je sais pas, ça dépend ce que t'aimes. Raze est toujours aussi bien, hein. J'ai regardé un peu.
C'est facile à jouer et tu te prends pas la tête. Et si tu pars en solo queue, tu fais toujours autant de damage. Hein. C'est vraiment pas mal. Pop, 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 en parlant des presque un an, en voilà un qui paye depuis 2 ans ses droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. C'est Legend Sky. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait d'ailleurs par le passé sur le campus de la SA. Et merci pour tes 2 ans à suivre la même personne au grand cœur, Loul. Merci infiniment, poulet. Merci, t'es un monstre. Vraiment, ça me touche énormément. BF, ils doivent la pression de ouf. Ils doivent avoir la pression de ouf. Tout le monde attend le jeu de ouf. Si ça flop au début, ils vont se faire détruire. Bah, vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Tu sais, vaut mieux qu'il y ait une grande hype, etc., etc. Mais bon, après, le jeu, il flop. Hein. Ça changera pas la qualité du jeu. Mais oui, c'est vrai que ça rajoute une petite pression, à mon avis, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même avant la release. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est bien clair. Je parlais en Battle Royale. S'ils changent genre plus de 3, ce qui est fait en général. Ah, ok. Faut que le PC tienne MDR. Pour faire tenir 128 joueurs, tu veux dire ? Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que bon, il y a quand même la destruction, quoi. Il y a quand même la destruction dans Battlefield. À mon avis, Battlefield sera un petit peu plus gourmand qu'un COD, par exemple. Hein, ça, c'est clair, quoi. Merci évidemment, Joe, pour les 300 bits. Un monstre. Merci, poulet. Vraiment, ça me touche énormément. Il y a des nouveaux leaks et franchement, LUD a l'air vachement propre sur BF6. Ah ouais ? Sérieux ? Putain, il y a eu encore des leaks ? Mais on est sûr et certain parce qu'il y a eu pas mal de fake leaks aussi. Hein. Voilà, quoi. Vivement le trailer et du gameplay. C'est quand déjà on a dit ? On a dit que c'était genre la semaine prochaine, non ? C'est quand ? C'est pas 9 juin ? 18 juin ? Attends, on est combien ? C'est pas 9 juin ? Non, c'est dans 4 jours. Ouais, c'est ça, 9 juin. Ouais, ça va être monstrueux, ça. 9 juin à 16h. Ouais, ça peut être extrêmement... 16h pour nous aussi, heure française. Le trailer annonçant des nouvelles de BF le 9 juin me fait quand même beaucoup penser à un truc qui arrive dans le futur. C'est-à-dire... Bah... Tout le monde s'accorde à peu près à dire, c'est ce que je disais sur Twitter, pour l'exclamation Twitter. Je pense que les leaks et les rumeurs qui laissaient supposer que le jeu serait dans un futur proche, elles sont relativement fondées. Elles sont relativement fondées, ces rumeurs, hein, je pense. Hein. C'est quasiment sûr. Ils vont exploser les views sur le trailer. Ouais, tout le monde l'attend énormément. Hein. En plus, les trailers de BF, en général, ils savent les faire. Hein. Ça claque un peu, quoi. Tu regardes les séries ? Ouais, bien sûr. Je suis sur Cobra Kai en ce moment. Et il est vraiment bien. 2025, paraît-il. Pour... ouais, enfin, il y en a qui disent 2025. J'ai vu 2030, j'ai vu 2032. Voilà, quoi. Futur proche, quoi. Hein, voilà. En mettant 2025, l'avantage, c'est comme je le disais hier, ils peuvent s'affranchir à la limite des marques et du licensing des armes. Voilà. C'est possible, en fait. Les effets d'optique dans la vidéo, ça me fait penser aux mêmes effets que Watch Dogs avec le piratage, tout ça, tout ça. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais sur BF4, c'était déjà un peu pareil, hein, le côté comme ça, là. On a l'impression que c'est mute, quoi. Voilà, quoi. Mais ça va être, ouais, j'imagine un truc entre 2000, ouais, aux alentours de 2030-2040, futur proche, voilà, quoi. Ils ont écouté la communauté, quoi. Ils ont envie de tirer pile poil... Je pense qu'ils ont envie... Ils n'ont pas envie de refaire un 2142, quoi. Ils n'ont pas envie que ce soit une bataille de méca ou ce genre de truc-là. Mais ils ont envie de se faire plaisir sur la possibilité de temps en temps de faire des armes un peu loufoques, je pense. Parce que c'est ce qu'attendent les jeunes, je pense. Voilà. Ils veulent pas forcément un truc super réaliste avec le vrai nom des armes et tout. Voilà, quoi. Salut Jimix. Salut poulet. Salut Babirous. Salut tout le monde. Tout le monde va y jouer. Ça fait un an qu'on s'ennuie. Pour que le jeu flop, il faut vraiment qu'il soit horrible. Pff, ouais, mais bon, ça, tu sais pas, quoi. Hein. Il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas sortis cette année parce que justement, à cause du Covid, il y a eu des problèmes sur le développement. Hein. Si ça se trouve, BF va être complètement à chier pour la simple et bonne raison que ça, en fait. Hein, tout simplement. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas eu le temps de le peaufiner, etc., etc., quoi. BF4, il y a encore du monde dessus. C'est le dernier qui tenait la route, même si le mieux était le 3. Ouais, ouais. Ouais, c'est... En vrai, c'est parce que la différence entre ce qu'il y avait avant et le 3 a tellement marqué que tout le monde a kiffé le 3, quoi. Mais le 4, moi, je l'adore, hein, franchement. C'est juste que c'est un BF 3.5, en fait, quoi. Il a pas autant apporté qu'un BF 3, quoi. Le gap n'était pas aussi énorme, je pense. BF6 Main Weapon Blaster Laser. Ah non, si ça se transforme en Halo, alors là, ça va être... moi, je vais détester, hein, c'est mort. Hein. Si tu commences à tirer du Railgun et tout, c'est mort. S'il y a des lasers et tout, c'est mort, mort, mort. Tu t'attends à une bonne prochaine saison sur R6 ou pas ? Bonne prochaine saison ? Bon, non, pas plus qu'avant, malheureusement. Voilà, quoi.
J'espère plus grand chose. Hein. Voilà, R6. Si c'est pas R6, ce sera un autre jeu de toute façon. Hein. Voilà. Merci Léna, bienvenue. Non, si c'est pas R6, ce sera un autre jeu de toute façon. Donc bon, ils sortent le truc. Je suis pas attaché à R6 plus qu'à d'autres jeux. Moi, j'adore les FPS tout simplement. Quoi. Moi, je suis hypé, mais j'ai vu comment le jeu est actuellement, ça me fait peur. Pourquoi ? Pour R6 ? Ouais, bon, on verra bien. Hein. Moi, je le prendrais comme je le prendrais. Je suis pas hypé, en tout cas. Voilà. Je le prendrais comme je le prendrais. Il y a des choses qui sont bien, etc. De là à le faire revenir sur le devant de la scène, ça va être un peu compliqué, quoi. J'ai l'impression qu'il est en train de prendre la tournure d'un CSGO, en fait. Voilà, quoi. L'accessibilité du jeu a fait qu'il y a moins de... Je sais pas. Ça va faire un peu comme CSGO, quoi. J'ai l'impression que les grosses compétitions vont attirer du monde en termes de viewership. Mais à côté de ça, tu vas voir des pros quand ils lancent un stream qui stagnent à 300-400 viewers, quoi. Hein. J'ai l'impression que ça va être un peu ça, honnêtement. T'as jamais joué au Battlefront de 2015 ? Si, il était vraiment cool. Il était vraiment, vraiment cool pour le coup. Voilà. Salut Cyril. Il était vraiment bien. Après, je suis pas trop, trop fan, mais il était beau. Hein. Il était vraiment magnifique pour le coup, quoi. 6-4 sur BF6, ça donne envie de regarder. On sera un jour. Ouais, j'espère. Je vous ferai voir un petit peu. Mais il y a des chances de toute façon que je fasse sur BF la même chose que ce qu'on avait fait l'année dernière quand on a fait quasiment 4 mois de Valorant où on n'a pas touché à R6, quoi. Avant de partir sur Valo, on savait que ça allait être un jeu qui allait être très CS-like. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai fait beaucoup de Counter-Strike pendant 3 semaines, juste avant Valo, quoi. Pendant 5 mois l'année dernière, il n'y a quasiment pas eu de R6 ici. Hein. Voilà, quoi. Entre mars et juillet, il n'y a quasiment pas eu de R6. Je kiffais tellement Valorant, quoi. Voilà. Ça me rappelait tellement des bonnes sensations. Et puis, donc sur BF, je pense que je ferai pareil, en fait. J'en suis quasiment sûr. Je vais aller saucer. Si je m'aperçois que le gameplay de BF6, il y a de grandes chances, ressemble au gameplay d'un BF4, il y a de grandes chances que je sauce BF4, quoi. Le but du jeu, c'est d'être ready quand le jeu sortira. Voilà, faut reprendre en main, ne serait-ce que la conduite de certains véhicules comme l'hélicoptère, que je kiffe tellement, quoi. Voilà. À quand le stream pools hot tub and beaches ? Il y a pas de hot tub ici sur le campus. Après, je peux t'en faire un. On peut, hein ? Ouais. Oh mais pool hot tub and beaches. Vas-y. Ouais. Après bon. Si je monte mon fion, tu le vois moins d'ici. Mais l'idée est là. Hein ? On est bon ou pas ? On peut changer de catégorie, vous pensez ? À nous les dollars ? Non ? Comment ça ? Ah, ok. Juste, faut qu'il balance les véhicules, ingénieur. Ouais, c'est clair, ça va être encore en mode 4 mecs dans Little Bird avec l'ingé, tu sais, et un mec qui est en train de faire tous les kills et les autres qui prennent les points avec le fer à souder derrière, tu sais, ça je kiffais trop, quoi. Je mettais deux mecs derrière moi et moi derrière le Little Bird, c'est bon, quoi. Là, je saussais la map sans problème, quoi. Il y a encore du monde sur BF4 ou quoi ? Franchement, il doit y avoir encore du monde dessus, je pense. Ça tourne encore, les serveurs sont pas vides. Je propose un sub goal, faire un stream pool hot tub and beaches. Non. Ou alors juste les ingés. Ouais, pas mal. Ouais. Ah ouais ? Mais sur console ou sur PC ? Sur console ou sur PC ? Sur PC ? Ah. Sur BF4, il y a encore pas mal de serveurs. Ouais, j'imagine. Bah, ça m'étonne pas. Franchement, le jeu était quand même une tuerie, quoi. Bah, surtout dernièrement, là. Avec Amazon Prime, tu pouvais avoir le jeu gratuitement. J'aurais dû récupérer la clé d'ailleurs. Je sais même pas comment la récupérer. J'aurais pu la filer comme ça. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Et sinon, tu l'as fini, Door Kickers 2 ? C'est une bonne question. Est-ce que je l'ai terminé ? Je crois pas, non. Je crois pas. Bah, après, il y a terminé et terminé. Il y a terminé l'émission. Après, il est qu'en alpha de toute façon, donc ils vont rajouter des missions. Il y a terminé 100%, quoi. Là, terminé 100%, c'est clair que non. Voilà, quoi. Donc faire tous les challenges, tu sais. Je sais plus si ça s'appelle des challenges, mais voilà. Donc non, faudrait que j'y retourne. J'y retournerai, c'est mon petit jeu, ça. Il est vraiment cool pour le coup. Ouais, il y a même des streamers BF4 qui marchent pas mal. Ah ouais, putain, c'est dingue. T'es sérieux ? En France ? Qu'est-ce que t'entends par pas mal ? Ça peut être intéressant.
Merci infiniment Acer Adri pour le fait d'avoir offert la possibilité à Bono Diff ses droits de scolarité au sein du corpus de la Salty Academy. Un monstre poulet. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Yoscat, salut Felloweed. Comment ça va poulet? Bien ou bien? T'as pensé à Real Royal? C'est un très bon jeu. Non, 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 jamais joué. Salut Anissa, bienvenue. Bienvenue sur le campus. Salut Tipeee, comment ça va poulet? Realm Royal, j'avais déjà vu le truc. J'avais déjà vu, je l'ai déjà vu passer devant moi. Ah, je suis super difficile pour les jeux. Je suis vraiment casse-couille, sérieusement. Voilà quoi. La musique de BF4, en plus, elle est ouf. Oh, tout le son, la bande sonore de BF. Franchement, c'était le truc qui, à moi, qui m'avait le plus marqué quand BF3 s'était lancé. Hein. Quand ça claquait, là, quand ça claquait dans les... Dans, quand ça résonnait dans le métro, là, t'entendais, de loin, t'entendais... Pouf, 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 pouf. T'avais trop envie de te rapprocher et tout. Oh, le bruit était tellement bon, sérieux. Le bruit était tellement, tellement bon, quoi. Tu sais qu'il y a de la compète sur Battlefield 5? Ah ouais? Non, sérieux? Genre, quel genre de compète? Bon, après, il y a compète et compète, hein. Voilà, quoi. No offense, mais bon... tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a la compète BF5 en mode... Enfin, il y a la compète en mode une go for par-ci et un G4G par-là, tu vois, avec 30 balles à gagner. Et puis après, il y a des trucs genre... des trucs un peu plus sexy, tu vois. Des leagues, des machins, des trucs. L'ambiance du BF1 était incroyable aussi. Le premier BF1, c'est quoi? BF 1942? Le premier BF, c'était 1942 de mémoire. Il s'appelait BF 1942. Après, je sais plus dans quoi c'est parti, quoi. BF 1942, c'est le premier auquel j'ai joué. Mais j'ai trop kiffé. Mais tu peux pas, tu pouvais pas ne pas kiffer à l'époque, quoi. C'était une tuerie intersidérale, ces jeux. Voilà, quoi. Par contre, vaut-il toucher à la portée des pompes qui étaient abusées sur BF4? Oh putain, les pompes Stinger là, non? Après, je sais pas, le jeu, attends, ça doit faire 5 ans que je l'ai pas lancé, quoi. Donc j'imagine qu'il y a eu du balancing quand même, quoi. Il crée du contenu encore ou pas? Non. Hein. Et BF4, le pire dans tout ça, vous savez quoi? C'est que j'avais acheté tous les DLC. J'avais, comme un gros pimpin, j'avais dû prendre le pack qui avait coûté 150 balles, quoi. J'ai jamais joué à un DLC. J'ai saigné le jeu principal. Et le jour où ils ont sorti le DLC, je l'ai arrêté, quoi. J'ai fait, vas-y... Les pompes sont encore abusées, MDR. Oh non, ça pue, ça. Bad Company, j'ai jamais joué. Tu pourrais faire une vidéo sur BF4 à la JBS. Et il a fait quoi, Gibbs? Perso, j'aimais bien le Hardline. Jamais joué Hardline. En revanche, ça, je sais qu'il y avait des compétitions, puisque quand on a gagné la Pro League sur R6, c'était qui est-ce qui venait de là? C'était... qui est-ce qui avait été champion de France? Merde, c'était Yogurt dans l'équipe, dans Youngtis, qui avait été champion de France avec, sur Battlefield Hardline. Donc voilà quoi. Mais il n'y avait pas grand chose. Hein. C'était pas ouf comme e-sport. Comme quoi, mais ils avaient essayé. Hein. J'aimerais bien qu'ils refassent un BF Hardline. J'avais bien aimé le mode solo de celui-là. Jamais joué. Mode solo sur Hardline? Ça ressemblait à quoi? Payday? Non? Valorant, ça refait les vues. Ah ouais? Ok. Hardline, pire jeu. Ouais, bah tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur le fait que Hardline soit une bombe. Hein. Moi, à chaque fois que sauf là, visiblement, mais j'en entends parler en pas super bien, quoi. Merci évidemment, le chat 75, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Bienvenue sur le campus, poulet. Un monstre, bienvenue. Ouais, grave sympa le mode solo. Ah ouais? C'était sauvetage d'otage, la PL Hardline. Ok, le solo de Hardline, t'étais un flic trop badass. Sérieux? Mais tu devais faire quoi? L'ambiance est bien pensée, je trouve, sur Hardline. Ok, mais je ne l'ai jamais lancé. Et j'ai dû regarder une vidéo à tout péter dessus. Voilà, quoi. Mais à chaque fois, j'en entendais parler. À chaque fois, j'entendais du mal de... Tout le monde disait, c'est un faux BF. Il n'est pas génial. Voilà, quoi. L'histoire de tous les BF sont bien. Ouais, bon, après, je joue pas vraiment au BF pour l'histoire, quoi. Mais attends, l'histoire des BF? Genre, BF4, il y a une histoire? Non, mais sérieusement, il a une histoire, BF? C'est quoi l'histoire? Il y a trop de tricheurs sur BF4. Non, mais ça, laisse tomber. Ça s'appelle le multijoueur, ça. Hein. Il y aura des tricheurs partout, de toute façon. Sur n'importe quel jeu multi, il y a des tricheurs, quoi. Sauf quelques rares exceptions. Il ne doit pas y en avoir des masses sur Valo. Il ne doit pas y en avoir des masses sur LoL. Tiens, comme par hasard, ça vient de Riot, les deux. Pour le reste, bah, accroche-toi, sérieux.
Hardline était incroyable. Il n'y avait pas des campeurs fond de map au sniper. C'était vraiment du vrai Battlefield où ça se tapait sur la gueule pendant une heure entière. Ah ouais? Mais c'était que du CQB. Du coup, ça ressemblait plus à un code, non? Moi, j'aime bien hein, le truc avec les campeurs de fond de map. Hein. Moi, ça me fait marrer. Hein. Je le fais jamais, quoi. C'est pas trop mon style de jeu, quoi. J'aime bien pusher et tout. Mais de savoir qu'il y a un petit sniper qui peut t'attendre et tout. De voir le reflet de la lunette au bout d'un mec qui se met aux barrettes et qui essaie de tenter son kill de la partie et tout. Moi, je trouve ça insane. Je trouve ça insane. Hein. Faut pas croire, les mecs, ils font pas 650 000 kills hein, en restant là-bas, quoi. Hein. Voilà, quoi. Et puis quand t'en as marre, tu sautes dans le premier char et tu lui rushes sur la tronche et tout. Voilà, quoi. Tu arrêtais des mecs, tu les prenais en filature et tout. Puis même le twist final était dément. Dément, carrément. Putain, mais j'ai jamais entendu parler de ça, sérieusement. Vous êtes les premiers à me dire ça. Il y a des indices qui laissent penser qu'il y aura le moteur physique sur le BR. Ouais, ça, c'est... Bah déjà, attends. Attends. Il y a un problème dans ta question, là. C'est y aura-t-il un BR? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Honnêtement, moi, je sens qu'il y a la possibilité qu'il y ait un BR, ok? Mais qu'il n'y sera pas à la sortie du jeu. S'il doit y en avoir un. On verra, hein. On verra. Le solo était un peu sous forme de série. C'est le best en termes d'originalité, mais c'était pas le best en termes d'originalité, mais c'était sympa. Ok. Mais jamais entendu parler. Assez hardcore... Arcade, Hardline. Pour que ça, beaucoup n'ont pas aimé. Bon, moi, j'aimais pas vraiment. Hein. Ça ressemblait trop à un code, pour le coup, quoi. Ouais, je trouvais que ça perdait le... Après, tout dépend de comment tu définis un BF, tu vois. Moi, pour moi, BF, c'est des grandes maps, des véhicules, des explosions, des snipers planqués, des ingénieurs qui réparent, voilà, quoi. Un putain de champ de bataille où quand t'as envie de changer de style de jeu et de classe, entre guillemets, tu peux vraiment le faire, quoi. Et pour le coup, ça change du tout au tout. Voilà. Salut Narto. Non, sur Hardline, il n'y a pas de map énorme. C'était que des moyennes et des petites. Donc ça se tapait comme il fallait. Ouais, Hardline, c'était plus une métro, quoi. Voilà, quoi. Par contre, la campagne de BF6 va être grave bien. Mais comment vous pouvez savoir ça? Sérieusement. La campagne de BF6? Il n'y a pas de campagne. Des mecs dans un bâtiment, pas de problème, tu rases le bâtiment. Voilà, c'est ça que moi que j'aime, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est vraiment bon, ça. En fait, les maps de Hardline étaient plus petites, c'était beaucoup plus nerveux et rapide. Oh, non, mais clairement. Après, moi, j'aime bien aussi le côté CQB, quoi. Hein. Franchement, ça me dérange pas, tu vois. Mais pour moi, BF, ça veut dire véhicule, quoi. Voilà. Après, je m'adapte, hein. Mais pour moi, BF, ça veut dire véhicule. J'aime trop les véhicules. Bon, on va pas trop tarder, les amis, puisque... Enfin, pas trop tarder à jouer. Parce que, comme je vous disais, je ferme les portes du campus vers 18h. Voilà, quoi. Et on se retrouvera après lundi, quoi. Un bon métro à la batteuse. Ah, oh, ça, c'était bon, franchement. Quand t'allais sur le côté droit, là. Ah, putain. Quand t'allais sur le côté droit, que tu remontais et tu te mettais avec ta batteuse et que t'arrivais à un moment à te mettre allongé, là, à mettre le petit bipied, terminé. T'avais plus qu'à cliquer gauche, tu sais. Un mort, deux morts, trois morts, quatre morts, cinq morts. Tu montais escarrouge rouge et YOLO. C'était tellement bien. Non, mais au tout début, c'était n'importe quoi, tu sais. Au tout début, c'était tellement n'importe quoi. C'était tellement en mode... Comment il s'appelait que tout le monde au lance-patate, là. Putain, sur BF3, sur Métro, c'était... Les mecs ne faisaient que tirer dans les plafonds, quoi. Il n'y avait que ça, quoi. Flou, flou, flou. Tu entendais que ça, tu sais, pendant 10 minutes, quoi. Oh, putain, le lance-patate frag. C'était horrible. Mais en même temps, c'était tellement drôle, quoi. C'était vraiment tellement drôle. Tout le monde avait tellement kiffé ce jeu quand il est sorti. C'était démentiel. C'est vraiment démentiel. Anyway, bon, je change et on part jouer, ok? Je vais mettre Rainbow. C'était le couloir de la mort, ça. Ouais, en haut à droite des escaliers, là. Quand tu prenais à droite, de manière, tu soit central, soit à droite, là. Ah, t'inquiète, je le vois très bien. Pourtant, ça fait 10 ans que je n'ai pas joué, quoi. Je sais pas quand est-ce qu'il était sorti, mais ouais, ça doit faire 10 ans, quand même. Hein. Ouais, je pense que ça doit faire... ça doit pas faire loin de... Ça doit pas être loin de 10 ans, je pense. Hein. 2011, de tête. Ah ouais? Ouais, putain, la vache. Instant, la nouvelle catégorie. Putain, il était rapide. Ok. Let's go lancer le jeu. Du R6. Alright, motherfuckers. Let's go, let's do this. Et on passe dans le studio. Il me saoule avec ce... À chaque fois, le truc me dit... veuillez dire que c'est le bon compte. Attends, on va le mettre sur le bon, du coup. Vous pouvez dire que ce PC est un trusted device, un device qui est cru, quoi, voilà, un trusted, là, ou, enfin, je sais pas, confiant, je sais pas comment on dit.
Et pourtant, à chaque fois, il me demande, il me fait chier, quoi. À chaque fois, il me fait chier, il me redemande toujours mon truc, là. Tu lui dis, ben non, mec, en fait, c'est le PC du campus, quoi. Il a pas bougé, en fait. Hein, voilà, donc fais pas trop chier. Donc je suis obligé de retaper le code de vérification double machin, quoi. Analyse d'urine, prise de sang, tout ça. Voilà. Allez. Ah, c'est parce qu'il y a encore une mage. Ok. Tom Clancy, Rainbow Six, TTS serveur. Encore. Ok, d'accord. Ils ont encore fait des changements sur les TTS, visiblement. Ok. Let's go, je lance. Merci infiniment, Zyron, pour les 10 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci infiniment, poulet. 10 mois, plus que 2 mois pour les 1 an, monsieur 6-4. Effectivement. Plus que 2 pour les 1 an. Ouf, ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. 10 plus... Ouais, 12, c'est ça. Ça fait... On est bon. On est bon. Merci, Zyron. Merci pour les 10 mois. Vous êtes des monstres. Bon, vous avez aimé la nouvelle vidéo ? Aidez-nous sur ce genre de vidéo là, qui est une vidéo Radio Cell. Voilà, n'hésitez pas à la partager, à la liker, en faisant point d'exclamation YT. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Je sais qu'il y a eu pas mal de retours qui étaient très positifs. D'ailleurs, il faudra que je le tweet. En fait. Donc ça fait super plaisir, quoi. J'ai kiffé, moi. Ouais, c'est bon, ça fait plaisir. Après, c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est principalement, à mon avis, les jeunes qui vont kiffer ce genre de contenu. Voilà, quoi. Les moins jeunes d'entre vous, moins. Pouce bleu, tu vas sur Favela ? Non, je vais pas sur les TTS, hein, je vais sur le normal. On va aller sur le normal, tranquille. Très bonne vidéo. Bah, si vous avez aimé, aidez les monteurs. Hein. Aidez-moi à payer les monteurs du campus qui récupèrent l'argent de YouTube. À chaque fois que vous mettez un pouce, à chaque fois que vous faites un truc qui aide l'algorithme de YouTube... Oh nom de Dieu, voilà, ça devrait pas bouger. Vous aidez les monteurs du campus, hein, sachez-le, ok ? Voilà, c'est eux qui prennent les pépettes de YouTube. Alors, des news du mec, de lequel ? Celui de la vidéo ou celui d'hier ? Parce qu'on en a fait une radio sale hier, hein, qui était un peu similaire d'ailleurs, hein, toujours pareil sur la logique de... Toujours pareil sur la logique de... Comment on appelle ça ? Friendzone, non, un petit peu quand même, voilà quoi. Visiblement, c'est le truc de 14, 15, 16 ans, ça. Hein. Ça, c'est la grande problématique à cet âge-là. J'ai l'impression de se faire friendzoned. Pam, 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 pam. Ok. A bomb must be located and diffused. Move the bomb location with the diffuser and diffuse the device. Pas qu'à 16 ans, même à 24. Ah ouais? Ok, super, t'as vu. On va tous se buter là. Mais flash, grenade, machin, ça va pas là. Mais merde! Attends. Pourquoi il y a ça là? Ok, c'est bon. Je me disais, il y avait deux musiques, c'était chelou. Putain! Flash C4 pour commencer quoi! On me casse les... Sam, hein? Putain. J'essaie d'aider les monteurs, mais Twitch ne veut pas prendre mon argent. Non. Twitch, c'est le campus de la SA. Les monteurs, c'est YouTube. Donc, il faut... Il n'y a pas besoin de payer sur YouTube. Il faut juste laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un partage. Ça serait vraiment cool. Voilà, ça, c'est pour les monteurs. C'est simple. C'est gratuit. Ça prend juste un peu de temps. Genre 10 secondes. Ok, bon, pas de C4, please, ça serait cool en fait. Putain, trop relou ce truc, ça. Ouais. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tout, tout, tout. Ouais. Je le regarde comme un autre putain de con. Vas-y, ça va m'énerver, je vais partir en gaming instant, tu vois, ça va être beaucoup plus...
Ok, il y a personne ici. Ils sont en bas. J'adore cette arme pour balancer des gros travers tout droit là. Oh non, non, plus le barbelé quoi. Pas de C4 parce que j'entends rien. M'énerve, ça m'énerve les C4. Trop bien cette arme, c'est vraiment la meilleure arme du jeu celle-là. Pour balancer des gros pré-shots. Nul. Let's go. Pam 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 pam. D'où les terreaux en def ont des flashbangs. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Putain, mais j'ai jamais remarqué ça. Ils sont en def, les terreaux. Comment est-ce qu'ils font pour avoir des flashbangs? En plus, c'est complètement con. Ils ont des C4 et des flashs. J'avais jamais remarqué ça. 50 jeux. Le mec vient de remarquer un truc. Une incohérence. Non, mais c'est les flashs qui te mettent en plus. Salut, Tatsu. Le BF1 d'il y a quelques années était clairement un navet, que ce soit campagne ou multi pour moi. Ah ouais, le BF1 première guerre mondiale là, le truc avec les chevaux dans le désert et tout là. Ouais, ça m'a j'ai vu des trailers et tout, ça m'a pas donné envie quoi. Il avait l'air fun franchement. Je regardais des vidéos, je regardais Wise qui avait été dessus un peu, je regardais Celeborn Legend aussi. Des personnes que j'apprécie bien en plus. Il y avait un mec là, non? Qui a gueulé, non? Si toi aussi t'as passé une bonne journée. BF1 est insane, je trouve. Ah ouais, bah il y a pas mal de gens qui m'ont dit ça, hein, franchement. Hein. Il y a plus de gens qui m'ont donné des retours positifs sur BF1 que négatifs sur BF1, hein, franchement. Honnêtement, hein, j'avais entendu que du bien, quoi. Quand je regardais les vidéos, ça me donnait presque envie d'y aller, quoi. Et c'était juste le côté... je sais pas, hein, vraiment, je suis relou avec ça, mais... Le côté Première Guerre mondiale, là, ça m'a... Quand j'ai commencé à voir des mecs avec des sabres et tout sur des chevaux, j'ai fait ouais non là, laisse tomber, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Fais toi, t'es perdu mec ou quoi? L'autre il jump comme ça sur mon site quoi. Non, il a pas de jump en fait. Parfois j'ai envie de passer sur une souris vraiment plus légère, mais bon, je le ferai jamais. Merci infiniment, Katie Gozer. Katé Gozer. Comme ça comment... What? Comment est-ce qu'il est mort lui? Comment c'est possible ça? Merci infiniment, Poulet, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité. Ainsi pour Chloé, pour David, pour Awesome Medium, pour Slipshot Cash, pour Kowalski, qui se font payer leur droit de scolarité et leur frais d'inscription au campus de la Salty Academy. Grâce à la grande générosité de Katie Gother. Merci infiniment, Poulet. Un monstre. Merci beaucoup. Envoyez plein de GG et de cœur dans le chat, s'il vous plaît. Des monstres.
Oh mais merde. Grosse journée, grosse semaine mon gars. Oh là 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 là, il n'en offre pas 5, il en offre 10 des droits de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Ah monstre, envoyez plein de GG. Et de cœur dans le chat s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh le C4. Ah je suis trop con. Merci infiniment poulet, plein de GG. Pour Niro, pour Flush, pour Razors, pour Fuju, pour Witch Doctor. Merci infiniment. Un monstre. Envoyez plein de GG de cœur. 10 droits de scolarité et il régale. Merci beaucoup. Il ou elle. Je sais pas, on sait pas. Get it up. Alright. Non, sans... Pam, pam, pam. Voilà, c'est ça que j'appelle faire péter le chat de GG. Ok, donc petit live aujourd'hui. Je couperai vers 18h, je pense. Fermeture des portes du campus de la Salty Academy. Et on se retrouvera lundi. Alright. Il y aura sûrement un petit chess lundi. Je sais pas si on repartira sur les TTS, mais voilà quoi. Giddy up. Pa-pa-pa-pa-pam. Let's go. Voilà, c'est ça, un beau chat spammé de GG. Ça, j'aime bien. J'aime bien, vous êtes des monstres. Ah, du coup, je sais plus quoi lire. Pa-pa-pam. Tu sais que t'es passé sur une vidéo de Hager himself. Jager himself. Ouais, il le fait souvent, ça. Il prend des vidéos... il prend des clips, non? C'est lui qui prend des clips. Voilà, il devait y avoir un clip de ouf, j'imagine. C'était quoi le clip? Raconte-moi. Pop, pop, pop. Pas 5, pas 10, mais 15 droits de scolarité offerts au sein du campus de la Salty Academy. Avec le point d'exclamation de charme qui va bien, il vous offre de votre charme vu qu'on est sur Rainbow Six en ce moment. Merci évidemment pour Bypoiskay, pour Pôle Emploi. Ah, Pôle Emploi, t'avais pas compris. Ok, je la faisais en anglais. Merci pour Budgies, pour Achille776, pour Cobra Kobura, qui se font tous payer leur droit de scolarité ou leur frais d'inscription au campus de la Salty Academy. Et ça, c'est grâce à Katie Gother. Merci infiniment, poulet. Un monstre. 15 droits de scolarité, ça régale. Des GG, des cœurs, tout ça, dans le chat. Un monstre. Voilà. C'était un clip avec Mélusie, je crois. Ok, et je faisais quoi avec Mélusie? J'ai fait quoi avec Mélusie? Mais Lucie, je la prends souvent quand même. C'était sur quelle map? C'était un one tap sur la nouvelle favela. Un one tap avec Mélusie. Bah, il avait quoi d'exceptionnel? Tu tuais des gens, c'est possible. C'était le clip avec Oryx sur Clubhouse hier. Il était propre celui-là. C'était pas le clip sur Oregon? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, vous, personne ne sait, en fait. Allez. Allez, pire. C'est ça, je crois. C'était pas le clip sur Oregon? Ok, je faisais quoi sur Oregon? Je faisais quoi sur Oregon? Parce que si c'était celui avec Mira, qui a, et sur TikTok, je crois, il a fait 300 000 vues, c'est n'importe quoi. Sur Nuketown? Bah, en bas. Si c'était le truc en bas, je parle en français, c'est pour ça que c'est drôle. Parce que j'anticipe les réactions du... Voilà quoi. C'était en terreau sur avion. Oh celle-là. Tout le monde dit de la merde MDR. C'était pas le clip de ta victoire au 6. On a jamais gagné le 6. Non. Je pense pas que ce soit un truc si old school. Genre moins 300 avant Jésus-Christ. C'est laquelle? Donnez-moi la vidéo au pire. Hein. Envoyez-moi le lien avec le timestamp. On ira voir. Ah ouais, oh, hein, voilà. Autant rendre à César ce qui appartient à César, quoi. Ça reste mon clip, quand même. Mon Dieu. À l'époque où le jeu était incroyable. Ouais, oh, il était pas si incroyable que ça à l'époque, je pense. Le one tap sur Adibou. Putain. Seulement avec le chat du jeu, vous êtes con. 300k la vidéo. Ouais, je crois, sur TikTok, elle a fait... C'est insane. Attends, je vais regarder quand même que je dise pas de la merde. Ça se trouve, je dis de la merde. J'aime pas dire de la merde. Enfin, ça m'arrive quand même souvent. TikTok. Ça, bah, envoyez le lien d'ailleurs. Salty Academy. Parce qu'il y a un mec qui nous a chopé notre nom là. Un trou de balle là. Faudrait le report d'ailleurs. Et là, il s'appelle 64 underscore Salty Academy. C'est pas nous ça. $14,000 likes.
Le 6-4 underscore Salty Academy tout attaché. Avec 3928 abonnés, c'est pas nous ça. Ça faut report ça. Signaler. Signaler le compte. Suivant. Publication. Usurpe une identité. Suivant. Célébrité. Moi. Moi ou célébrité ? Je vais mettre célébrité. Ça revient un peu au même. Oui, quand même. Alors, ça, et attends, abonnement. Non, nous, le nôtre, c'est 6-4 underscore salty underscore academy. Underscore, c'est le tiré du 8 hein, pour les noobs. Combien de likes il a fait ? Combien de trucs il a fait ? Attends, je vais regarder. Hein. Je dis peut-être de la merde. Hein. 215 000 vues, il a fait. Le clip avec Mira. Il était quand même très drôle celui-là, quoi. Il était quand même très très drôle dans le coin comme un con. Je vais attends. Donc faire un trou ici, ici. Attends, je vais attendre de là. Je vais balancer un pré-shot là, balancer le C4 là. Attends, et boum, le au revoir. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe quand je sais pas ce que j'avais bu, sérieusement. Dites non à l'alcool, hein, sérieusement. Je vais donc faire un trou ici, ici. Je vais attendre de là. Je vais balancer un pré-shot là, balancer le C4 là. Et boum, au revoir. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe quand t'as tout dans ta tête, hein. Ça veut rien dire. Hein. Il peut pas aller à un autre endroit, hein, je veux dire. Donc son pote va arriver en mode bah qu'est-ce qui se passe. Et bah lui, c'est pareil. Oh putain, il balance son truc, il va piquer à droite, forcément bon jamais endroit. À gauche. Bah ouais, normal. Ah ouais, forcément, normal qu'il je veux dire, là. Tu piques tout le dans le coin bah comme un con. Normal. Je vais donc faire un trou ici, ici. Je vais attendre de là. Je vais balancer un pré-shot là, balancer le C4 normal. Là. Et boum, au revoir. Normal. Ah ouais, et qu'est-ce qui se passe quand t'as tout dans ta tête. Celui-là, il a fait 215 000 vues, je peux pas aller à un autre endroit, je veux dire. Donc son pote va arriver en mode bah qu'est-ce qui se passe. Et bah lui, c'est pareil. Oh putain, je me marre rarement quand même quand je regarde ma gueule, mais celui-là, il était quand même bien drôle, quoi. C'est surtout qu'il arrive pile au moment où je le dis, quoi, tu sais. Bah, il va arriver. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu faire un petit zoom avec un « Hey, what the fuck is happening ?» Merci évidemment, Xenorces. Merci pour les 7 points de frascolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, poulet. Un putain de monstre. Ok. Ça a annoncé. TikTok, les amis. Appuyez sur la chaîne. Appuyez sur le lien qui est dans le truc. Voilà, quoi. Mais allez vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Vraiment. Merci évidemment, Case. Ok. Ah, merci à toi, jeune. Non, merci, Captain. Merci pour les 2 mois de phrase scolarité. J'arrivais pas à lire, en fait. Je suis juste con. Merci, poulet. T'es un monstre. Voilà, c'est ça. Regardez, là, il y a 2 liens qui est balancé. Vous voulez aider le campus à aller to the fucking top? Vous voulez nous aider? Vous cliquez sur le lien, vous allez vous abonner. Après, si vous avez pas TikTok, bah, vous abonnez pas. Hein. Voilà, quoi. Ou vous créez un compte, vous faites pas yesh. Mais ça t'arrive souvent, ce que tu prédis, ce qui va se passer, tu sais. Situational awareness. Bien tenté, mais le hashtag est mal utilisé. Le situational awareness n'a rien à voir avec le fait de savoir ce qui va se passer. Si tu sais ce qui va se passer, c'est que t'anticipes une réaction. Si t'anticipes une réaction, ça s'appelle du game sense. C'est le sens du jeu. Ah. Imaginons le football. Ah. Une personne qui était connue pour avoir un bon situational awareness... Et une bonne vision du jeu. Genre Zinedine Zidane, tu vois. Voilà. Situational awareness, c'est le fait que sans besoin de voir où sont ses collègues, il sait que derrière lui, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Voilà quoi. Vision du jeu, même si en fait, c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça que je préfère le terme anglais, parce qu'on parle de sens du jeu, quoi. C'est comme un sixième sens, en fait. Game sense. La vision du jeu, nous en français, donc c'est pas très correct, c'est pas tout à fait ça. Elle est... c'est le fait d'anticiper le fait que parce que lui était là, je pense qu'il va faire cet appel de balle là-bas. Et je peux anticiper la balle. Ouais. Pas tout à fait pareil. Il y en a un, c'est dans le présent, l'autre c'est un peu dans le futur, quoi. Vite fait, hein, vite fait. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Situation awareness, ce que je viens de dire, c'est... je sais pas moi. Là, je vais regarder, j'ai un rook, un doc, un machin, un truc, ils sont là, etc. J'ai un pulse. Ok, là, le pulse, je sais déjà qu'il va aller en bas, dans l'escalier. Il y a de grandes chances que s'il aille dans l'escalier parce qu'on est au top, à mon avis, il va essayer de jouer peut-être au niveau du petit bureau. Ou alors, il va aller carrément en dessous, tout dans les, au niveau de l'escavère, pour essayer de prendre une information au niveau de l'escabe bleu, en jouant au serveur. Serveur. Voilà, et pourtant, il était là-bas. Mais je savais qu'il allait jouer serveur. Voilà. Ça, c'est situational awareness. Et je sais donc où est mon pulse.
Putain, mais ils ont bougé où? Y'a bien une Sophia qui tire là. Ah. Ah, voilà. Ok, maintenant que j'ai tiré, je savais qu'il y en avait un de l'autre côté. À mon avis, du coup, il va se retrouver en face de moi parce que le mec, il va dans l'open space, va lui donner le call qu'il était, que je suis dans le main. Donc maintenant, en face de moi, ici. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est plutôt le game set. C'est l'anticipation de ce qui va se passer. Parce que je sais que mon pulse est mort, hein. Je l'ai pas dit, mais voilà. Là, il y a trop de kills qui ont été faits. Attention, il y a un jackal qui a été détecté. Je l'ai entendu tirer, il est au niveau de l'escalade main. Du coup, le jackal est au-dessus de moi. One friendly operator remaining. Enemy scan incoming, starting the clock. Non! Je pensais que j'étais sous le truc. Je pense qu'ils vont planter. Je vais le bait. Je veux qu'il saute. Ah, si je peux faire ce kill, je peux faire le clutch. Vraiment, c'est la merde. Eh, c'est la merde. Laisse tomber. Ok, ils ont planté où? Ils ont ouvert là? Je sais pas, y'a pas d'informations. Au-dessus de moi là. Ouais. Putain, ils me parlent pas les autres là. Bon, on s'en fout. Merci infiniment Gozer, merci Poulet d'avoir offert la possibilité à Babouliné68 de devenir un étudiant au campus de la Solty Academy. Et merci Razer d'avoir offert la possibilité à Gozer de devenir un étudiant, vous êtes des monstres. Merci Hillbent, nouvel étudiant, vous êtes des monstres. Welcome, welcome, welcome. Ouais, le cœur, hein, parce que vu votre capacité à parler, Hi guys. Coach Rainbow, Corporal Casual. Je sais pas comprendre. Vous pouvez parler français si vous voulez. Bait. Protect the bombs. Ambush safe. J'ai pris des yeux, moi. Pour ma première game, je peux pas aller. Je me suis pas chauffé assez pour aller roamer en plus. Oh, dommage, il est pas rentré dans le main l'autre. Ça devait être la zone, je pense. Ok, essayons d'être un peu agressif parce que mes potes sont des totos des îles. La balle, on voit le sang, quoi. There is one in the cave. Mais non, mais vous défendez rien là. On est mort là. Ça, je suis pas chaud en plus, moi. One cave. In the cave. Magic going out. Peek, check this.
Vas-y, laisse tomber, il est con. Y'a rien, y'a même pas de renfort. C'est chaud. Oh yeah. Hey, like on hatch. Drop down. Just drop. Ah ouais, l'autre il a live carrément. Non, ils sont anglais. You guys are. Oh, ok. Bon, ils sont nuls, c'est pas grave, on peut gagner quand même. Bon, défense en bas, les gars, ok, mais enfin, renforcer les trucs, quoi. C'est dingue quand même, non? C'est dingue quand même! Bah, défense, oui, t'as raison. En fait, on alterne en bas, en haut, en bas. Ah non, en fait. Vas-y, bah, laisse-moi ça, je vais sauter par la fenêtre, ça ira vite. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile! Ah ouais, t'as raison. Ouais, ouais t'as raison, sort une caméra. C'est exactement ce qu'il nous fallait en plus, là. Une petite caméra. Petite caméra, on va être bien. Là. Lequel compte celui sur TikTok qu'il faut report? Bah, celui qui a un seul underscore en fait. Un seul tiré du 8. Il y en a un, c'est 64 tiré du 8 Salty Academy. Et il y en a un autre, c'est 64 tiré du 8 Salty tiré du 8 Academy. Voilà, underscore, underscore. Donc celui qui a un seul underscore, c'est le mauvais. Et celui qui en a deux, c'est le bon. Bon, de toute façon, il y en a un, il a deux vidéos, c'est le mauvais. Et l'autre, il en a 25, c'est le bon. Enfin, 25, la façon de parler, quoi. C'est aussi simple que ça. Bon, je vais leur sauter dessus parce qu'on va se faire chier. L'autre, il est parti, de toute façon. Il s'est dit, vas-y, c'est samedi, hein. J'ai pas envie de prendre la tête. Hein. Faire les deux kills. On site. On ping. Ok. Ok. The last one was on site in CEO, maybe in front of you now. Yep. Ah, heureusement je le dis. Oh, les totos des îles, je te jure. Heureusement, je lui dis, maybe in front of you now. Bah oui, parce que forcément, il va pusher parce que t'as fait tomber le diffuse. Et c'est le premier truc auquel il va penser, c'est de retourner meeting. Parce que visiblement, c'est le seul endroit par lequel il allait être pouvoir revenir. Parce que vu qu'il n'y avait pas trop de rotation dans le noir, et ben, il aurait autrement utilisé sa hache si on l'avait entendu pusher dans le noir. Donc la possibilité, c'était que 1, il était en face de lui au contact, ou 2, il était toujours sur site, ou 3, il était dans le petit couloir en face. Je sais plus comment on l'appelle ce couloir d'ailleurs. Box. Je sais plus comment on l'appelle d'ailleurs, je sais même plus le call quoi. Oh ce jeu. Non, on va prendre ça pour s'amuser, tiens. We need to locate a bomb. Compte signalé de mon côté, nice. On va faire passer l'information à le médecin d'ailleurs. Le responsable de la com pour le moment. De lui dire que si on peut faire passer l'info de bannir l'autre compte, ce serait cool quoi. Bon après, c'est TikTok. Hein. C'est un réseau chinois, je crois. Donc bon, les copies, je suis pas sûr qu'ils s'en occupent. 10 seconds. Drone has located a bomb. 5 seconds to insertion. Ok. Ok. J'espère nous. Oh le con. Le con. On s'allonge là. On va mettre un one tap à droite.
Kobe. Attends, mais c'est en bas. Merde, je pensais qu'il était en haut. Ah, oh, je suis trop con. Attends, il y a un mec dans le... What? Il est où, lui? Soit il est à l'intérieur du main. Oh, ils veulent pas parler, mes potes. De toute façon, vu l'incapacité... Il est pas... Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'il était passé à côté de la cam, il est pas pété. Ok, lui, il est où? Vas-y, c'est ma première game. Moi, je voulais une game tranquille, là. You must recover the diffuser. Oh, le toto. One friendly operator remaining. Ok, Maestro est sur site. Ok. Le Jaeger, il est où? On va récupérer des billets, vous allez voir, c'est celui du Jaeger. Maestro est toujours sur site. Récupérer des billets. Jaeger. Ça me saoule. Il a complètement give up quoi. Non, moi j'ai perdu 2 rounds, je sens qu'on va perdre donc je m'arrache. De toute façon, j'ai un barbecue. Merci Atlan pour les 8 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci poulet, un monstre. The Stro Monstre. Tu vas prendre ça, mais on va commencer derrière, c'est un peu plus intelligent. Ce serait un peu plus intelligent. Barbecue à 15h30, pas sûr. On est au States. Il est 11h30. 10h40 même. Ah, c'est un peu tôt quand même. Merci le médecin. Faut le dire aux autres, hein. C'est gratos. Plus il y en a, mieux c'est. C'est ça que je voulais dire. Top floor. Pourquoi j'ai repris Jackal? Je suis un putain de con. Y a pas de certification sur TikTok? Ah, je sais pas. Le médecin, il y a une certification sur TikTok? C'est lui le responsable. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Ils vont piquer à l'extérieur. Reloading. Activating drone. Pip pip. On peut rien faire.
Allez, je suis obligé de jouer en dessous en fait. Can you take the diffuse? Vas-y, laisse tomber, ça sert à rien ce game. Les gens sont cons. Il m'a pas mis une NLA pour moi quand même. Tu mettrais une Elala, toi. Ah, oh, il était sur le drone en plus. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Pidudidudidudidudidudut. You have located a bomb. Mm-hmm. Bon, alors, vous avez prévu quoi sinon pour ce week-end? Friendly, last operator standing. Mm-hmm. C'est bon, c'est fini. Oh, nice, putain. J'avais pas compris. Repos. Jamais utilisé cette application de TikTok. Ouais, il n'y a pas beaucoup de personnes... Enfin, si, chez les jeunes, ça marche super bien, quoi. Après, c'est les mini-vidéos, hein. Bon, t'aimes ou t'aimes pas, quoi. C'est pas... ouais, c'est très particulier, quoi. Et tu perds pas mal de temps dessus. Hein. Si tu commences à regarder une vidéo, souvent, t'en regardes 2, puis 3, puis 3, puis 4, puis 4, et voilà, quoi. Tu perds pas mal de temps, vite fait, sur TikTok. C'est très chronophage. Mais il y a des trucs assez drôles, quoi. Il y a des trucs, c'est vraiment débile, en revanche, quoi. Mais voilà. Pam 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 pam. Mm, mm. Mm, mm, mm. Jouer à des jeux vidéo et ne pas sortir de chez soi du week-end. Nice. Le bon week-end. Je suis chez mes grands-parents, j'ai rien à faire, fait chier. Aïe, ah, ça c'est chiant ça. Putain, ça me rappelle moi aussi chez mes grands-parents. T'es content de les voir, mais bon, au bout de 20 minutes, tu t'emmerdes parce qu'il y a rien à faire chez eux, quoi. Je sais de quoi tu parles. Voilà quoi. Bon après parfois il peut y avoir l'extérieur, tu vois. Voir le soleil c'est pas si mal de temps en temps, tu vois. Allez, profiter du soleil. Rattrapage de quoi? Ce week-end, farm intensive de Sea of Thieves, un jeu que tu conseilles d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui me le conseillent. Il y a beaucoup de personnes dans le staff de la Salty Academy qui y jouent. Hein? En train d'étudier. Bon courage les poulets. Révision du brevet. C'est quand le brevet? C'est quand exactement? C'est fin juin, non? Toujours pareil, toujours fin juin, non? Samedi pépère, dimanche, faut que je retrouve un deuxième stage. J'ai arrêté mon premier au bout d'un mois parce que mon tuteur était éclaté. Ah merde, ça c'est con ça. 28-29 juin? C'est national, non? 28 juin, ok. Et le bac cette année, c'est comment? Il y en a un ou... J'esquive un anniversaire pour jouer au jeu et finir mon codage. Ah bah bravo, belle mentalité ça, hein? Et les amis dans tout ça, merde. Préparation de mes examens de BTS, nice. Bac de philo et go. C'est quand du coup? Ouais là c'est la fin, ouais c'est la fin de l'année, donc du coup il y a tous les examens quoi. Bac dans 2 semaines, pour tout le monde? Putain ouais, j'imagine tout le monde doit être en plein dedans là. Aïe, les bonnes petites révisions. Mais bon ça va, derrière vous avez l'été, hein? Voilà. Vous direz, ça ira mieux en mois de juillet. Vous avez intérêt de carburer, ok? Voilà quoi. 17 juin la philo et grand oral le 21. Justement, il n'y a que des faux culs et ils n'apprécient pas le sel. Ah merde. Pour à l'anniversaire? Ah, ça fait chier ça. Ça arrive ça. Ok, j'arrive, je les laisse faire le ban. En espérant pas tomber avec les mêmes parce que c'était absolument horrible comme game. Non, c'est bon.
my child got a fist ball. I'm a respawn of ancestors, and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah. Allez, dansez chez vous. Je sais pas si on peut jouer avec la musique là-dessus. J'ai pas eu la pub, c'est normal. Ouais. Ça me fait penser qu'il va y avoir les emotes animés qui vont arriver sur Twitch. Il y a les emotes animés qui arrivent bientôt. Ah, ils vont. Il y aura plus, t'auras plus, tu seras plus obligé de télécharger la donne Frank's TTV, là, machin, Better TTV. Ok, j'aime bien quand ça s'anime comme ça déjà là. On va mettre des renforts et tout, j'aime bien. J'aime bien ça, j'aime bien. Merci infiniment Zerax pour les 6 mois de frais de scolarité. Ah bah j'étais plus sub apparemment. Merci pour les 6 mois, t'es un monstre poulet. Merci beaucoup. Oh nice setup. You must protect your bombs from being defused by our force. Spiral skylight. It's skylight. Don't listen to that. The yellow is yellow. It's on yellow. Yeah. After the bomb, you must defend it. Friendly last operator standing. Comment ils sont passés? Ils avaient pas renforcé le petit mur? Planting behind the One yellow, I believe, and then one's on the ping. Area, one yellow. That's right. Mission failed. All friendlies were eliminated. Merci infiniment, Mr. Super Luigi. 2 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Comme un bon étudiant qui se respecte, un monstre poulet. Un monstre. J'ai envie de me sub, t'es pas obligé, mais ça fait plaisir, donc vas-y, si t'as envie de devenir un beau gosse en devenant un étudiant du campus de la Salty Academy, tu pourras le marquer sur ton profil Tinder, LinkedIn et Twitter, et ta vie sera mieux après, voilà. Ah. Faut qu'il arrête avec son castle en revanche. Et moi en revanche, Vigile, j'avais rien à foutre là, sérieux. Ah, je pensais pas. Il y a pas eu de hard breaching.
Donc ils avaient pas renforcé le mur, le petit mur. Ce mur-là était pas renforcé là. Et merci Highware, nouvel étudiant du campus. Enjoy le charme de la Salty Academy puisque nous... You need to break the window, bro. Before putting the castle. Just saying. Okay. Well, if you don't do that, you can't hear them rappelling. Changing mag. Mais il y a zéro renfort. Swapping mags. Deploying ADS. Ready, set. Then she deployed. One repairing toilet. Spiral. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Top spiral? Propelled spiral. On travaille le mur? Ok. What? I'll repel your lab, I'll repel your lab, I'll repel bathroom window. Yeah, bathroom window. Ash. One yellow. One yellow. Elle avait un trou que j'avais pas. Flashing in toilet. Yellow dud, Ash. Loading mag! One in. Oh. Maybe one balcony. Pick up that. Yeah, one balcony, balcony. On the balcony. Right window. It's a ying. She left window, Bob, right window. She's in, inside, meeting. Nice. One op four remaining. Last guy where? I don't know. Someone's a nomad that fell off the roof. Ils ont pas cassé la cam, man. Ce setup. Nice. Op 4 eliminated. Mission successful. Écho, moi ouais, écho, pourquoi pas, tiens. Allez. Allez, le petit écho. Et pourquoi pas. Secure the bombs. I'll get hatches. Razor wire going up. One drone main.
piano. Two piano. Getting hatches. On ping, on ping. It's open on ping. A bomb has been located by Op 4. Watching benches. Sophia. Two more upstairs and piano. One's in, on ping. And faking the plant. Pas trop de retard, pas trop de retard. On site, low HP. Nice. Putain, mais c'est pas normal qu'il rentre aussi facilement comme ça, non? Et pas trop de rotation, ça a failli nous coûter le round, quoi. Là, c'était à moi de passer. Mais bon, après, moi j'aurais pas dû prendre un shield, j'aurais dû prendre une impact. Mais je pensais que personne allait prendre le shield. En même temps, le smoke l'avait. Je suis con parce qu'il avait pris le sur le round précédent. Tiens, une petite Zofia, ça fait longtemps. Et pourquoi pas? Let's go. Use your drone to locate a bomb. Top. Yeah, they got a Valkyrie. Cap connecting. She's going to throw a Valkyrie camera from connector window. We have a drone. Breaking CEO window. Awkward power came out there. Yeah. Insertion in 5 seconds. I'm gonna check. Oh, you're checking. Sorry. You must locate and defuse a bomb. Yeah, I know where she threw it. Elle balance sa cam, elle fait trop de retard, elle arrive ici, elle se met en face, et elle balance sa cam de là. Ou pas. Ah merde. Changing mag. She's dead. Putain, je me suis laissé bait par un truc dans le main, c'est à moi de couvrir ça. So she's got a cavalcade girl. Voilà pourquoi je pouvais pas l'avoir. I got one, there was one on the balcony. Reloading. You located a bomb. Two of them are in the lobby. CEO's clear. Yeah, I want to plant A. Switch just one tomorrow, be careful. Yeah. You're planting? Okay. Okay. I traded it. He's got con. One friendly operator remaining. It's bottom visa. Ah, mais t'as planté, meuf. Un peu compliqué quand même, non? What's long this? Long this. Long this, yep. Okay. So one long desk and. No idea. One long desk, one visa, or admin.
chart. Bien. Pourquoi elle a essayé de planter ? Il, elle... On s'en fout en fait. Ouais, pour ça que je l'ai pas entendu. On aurait pu essayer. Putain, j'aurais dû pusher avec elle. Ouais, je vais garder le diffuse, même si ça va les faire un peu chier. Je viens d'avoir une idée de perso sur Rainbow Six, un agent qui agit sur le diffuse, soit en augmentant le temps ou autre. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas con, au final, hein. Mais... ok. Après, il faut voir plusieurs trucs, tu vois. Ça, c'est le genre d'agent, à la limite, que des joueurs pros pourraient kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça, c'est le genre d'agent, tu le sors, il y a zéro hype dessus. Zéro. Les gens vont dire, ah ouais, ok, bah c'est pas drôle, c'est pas fun. Ah, il faut du fun, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut du fun. Si c'est pas fun, c'est mort. Someone upstairs. Falk. 10 seconds before. Yeah, probably Kavira. One piano, spawn pin, I think. Insertion in 5 seconds. They just opened a circle desk hatch. Make your way to its location. Il fallait faire mettre une tête à lui. Yeah, someone's piano. Changing mag. Passe la vigile, viens. Let's try to kill the vigil. I got the piano. Faut qu'il prenne à droite, autrement je suis mort, je regarde pas. Someone's above them. Let's try to kill him. Nice, bro. Let's try to anti-roam the top and kill the Kavira, probably. Yeah, she opened the hatches and all. Let's fuck her. Putain. He's dead. He was in the projector. Yeah, smoke is dead or mute is dead. One CEO. Probably CEO. I'm one up. Valkyrie, yellow stairs. She's low. Who's top floor? Je suis mort. Top Visa, okay. Yeah, it's Valk. They're all roaming or what? I'm gonna come with you. Where is the diffuse? Oh, I got it. Can you concussion, like Visa stairs by any chance? I can't. Let's push banana. Let's go. Revenge. In front of me, nice. You get it. You get this. 1v1. One op four remaining. Aiding frenzy. 15 seconds. Yeah, let's not push. Let's not wait. 10 seconds. I think it. Got it. Nice. Nice, bro. Op 4 eliminated. Good job. Friendly mission successful. You, good job. Ça joue bien, ça parle bien, c'est cool.
La Riven, j'étais instant sur la Valkyrie, c'était méga propre. Moi, ça me dérange pas de mourir. Bah les couilles. S'il fait la revenge, c'est propre. Il prend la Zofia s'il veut. Hiro m'a mort. Hein. Sledge, vas-y. Il a bien joué, il a super bien joué. Il a vu qu'il avait le temps en 15 secondes de venir Morez, basement again. If they're holding upstairs again, let's push from admin. Merci infiniment Quake TV, loul, nouvel étudiant du campus, pas du tout, il paye ses droits de scolarité et même il paye des droits de scolarité à 5 étudiants différents. Envoyez plein de GG s'il vous plaît. Pour numéro 84, pour The Hiron, pour Milky Way, pour Wonder Tyrant et pour Topazoo, qui sont tous payés leurs droits de scolarité ou frais d'inscription au campus. Ok, I ping them all. Lost my draw. One's meeting room. There's a rook meeting room on the window. He went into closet. He's now in his con office. It might be long desk. Long desk looks clear. Smoke is lit. He's low HP. One's pharmacy. CEO, CEO, CEO. Let's kill him. At the double door, crouch. Got my drone. Be careful, Claymore here, maybe. CO downed. Mini desk down. Reloading! Frag grenade out. Where are we? Spire, spire. Spire, long desk, long desk. Got it. Changing mag. Thank you. Friendly down. You can have your down kill. That way on the road. Thank you. Okay, let's get hatches open. Yeah. Loading your mag. What? Sure. One might be is behind. L is security. One is like so low. Capcan is dead. Nice. GG guys, amazing. Eliminated. Friendly good job. Good game guys. Great execute. Moi j'aime bien jouer comme ça. Bonne game, bonne com, bonne exécution comme il le disait. Ouais c'était propre là. Moi j'aime bien ça me met dans mon rôle. Hein. Moi je fais mon... Voilà quand je suis mon support, je fais mes trous, je fais mes trucs, je fais mes rotas, je fais mes petits kills faciles. Les mecs vont pusher sur site, ils se transforment en serial killer, en serial pusher. Bon, pas de problème, hein. Moi c'est pas mon rôle ça. Normalement, quand je commence à prendre ce rôle là, c'est que c'est pas... Non, c'est pas là où j'excelle. Là en revanche, je savais que le Capcan était là. La petite rotation, le petit truc, on était bon. On était bon. Et la grenade, avant, j'ai vraiment cru qu'elle allait proc sur le mec qui était au top CEO, parce qu'il l'a call top CEO. Mais visiblement non. Alright. Oh merde, j'aurais dû essayer de continuer avec eux. Ouais, voilà, d'accord. Alright, très propre les mates. Ouais, c'était bien. C'était vraiment du beau rainbow. Absolument. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut enlever la carte bancaire après l'avoir mise du coup. De quoi vous parlez? De Twitch? Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. On paye avec PayPal sur Twitch? Non, moi je suis en abonnement là. Enfin, je sais pas. À chaque fois, ça me dit vous avez payé machin. Tous les. La vingtaine ou la trentaine de personnes chez qui je suis sub. Et voilà, ça me prend 4,99 une fois par jour, quasiment. Voilà quoi. CB ou PayPal, peu importe. Mais
Que ce soit CB ou PayPal, dans tous les cas, ça fait un abonnement. C'est un truc qui te retire tous les mois. Hein? Merci infiniment, Horayon, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Bienvenue à toi sur le campus. Enjoy le charme, si tu ne l'avais pas déjà. Bienvenue, poulet. Donc, du coup, aujourd'hui, bon, tranquille, un chill Rainbow Six aujourd'hui. Demain, pas d'ouverture du campus. Je vais me taper une petite randonnée hors du campus de la Salty Academy. Ça fera du bien. Et ensuite, retour. Lundi, bien évidemment, on a un peu delay le début du Youngtis Royal qu'on voulait absolument faire pour début juin. Ah, toujours un peu compliqué, on attend le retour de nos partenaires, on a pris un peu de retard par rapport à ça, ça me fait un peu chier. Mais c'est qu'à la fin, au moment où on allait pusher le truc, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être faire un truc un peu plus intelligent. Et donc je suis allé frapper à une porte, mais bon, voilà, c'est un peu normal qu'ils prennent leur temps, quoi. Voilà. On a dû leur faire une propale, on a fait un truc propre, surtout pour l'événementiel de la Salty Academy qui a super bien bossé en 48 heures. Voilà quoi. Salut 6-4, est-ce que tu sais combien de personnes ont le charme? C'est une excellente question. Non, j'en ai pas la moindre idée. C'est un chiffre que je peux pas avoir, ça. On me l'a jamais donné. Ça pourrait être intéressant, n'empêche, hein, de le savoir. Hein. Ça pourrait être super intéressant. Franchement, je sais pas. Combien de personnes ont le charme de la Salty Academy sur le jeu? En tout? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je vais dire un chiffre et tout. Je sais pas, 10 000, je dirais. Un truc comme ça, quoi. Des milliers déjà. Oh oui, oui, oui. Oui, oui. Je pense qu'on est entre fourchette mine 6000, fourchette max 20, 25 000, je pense. Un truc comme ça, quoi. Merci, je n'avais pas le charme. Eh ben voilà, Aurélien, tu l'as maintenant. Tu as le charme et du charme. Hein, voilà. Non, pas du tout. Enfin, sur le jeu, en tout cas. Red Shadow Legend, nope, non, non, il n'y en aura pas de ça. En revanche, il y aura bientôt une OP, parce que je vois Red Shadow Legend, il y aura bientôt une OP, je pense, avec World of Warship, qu'on avait déjà faite, voilà, par le passé, que je vais refaire. Ils sont venus me revoir il n'y a pas très longtemps, et comme je kiffe le jeu, voilà quoi. Qu'est-ce que je kiffe ce son? C'est vraiment sur celui-là que je vais faire le rap de Rainbow Six, hein, c'est sûr. C'est sûr. Tu streams demain? Je viens de dire que c'était fermé, espèce de trou de boob. Non, je serai pas demain. Rattrapage de mes droits, de mes partiels de droits, j'ai envie de mourir. Putain, il y a plein de personnes qui sont en train de bosser là ce week-end. Hein. Je le vois bien. Hein. Ouais, je vois bien. Ouais, entre le brevet des collèges, les rattrapages des partiels, les examens de BTS, les bacs, le bac. Ouais, j'imagine que ça va pas être simple. On fait partie de l'élite. Bien sûr. L'élite du campus. En Belgique, on commence mercredi. De quoi les rattraper? De quoi? Ah, le bac? Ça s'appelle le bac en Belgique? Non, franchement, c'est une vraie question. Ah merde, je tombe contre les mecs bons en face. J'en étais sûr. J'en étais tellement sûr. Et je retombe avec les autres de... Bah, je retombe sur la même game, sauf que je suis avec les moins bons, quoi. Bon, ça jouait bien des deux côtés. Hein. Lol, ça a juste inversé. Et on repart sur consulat, la blague. Sauf que ça, j'ai juste changé de side, en fait. N'importe quoi, sérieux. Let's go. Ça s'appelle le CESS. Ah ouais, pourquoi? Certificat d'études supérieures. Non, je dis de la merde. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelle les certificats d'études. Certificat d'enseignement secondaire supérieur. Ah, d'enseignement, j'avais pas bon aussi. Hein. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelle les certificats d'études avant. Je crois. Il y avait un truc. En France, ça s'appelait comme ça. Je crois le brevet, ça s'appelait le certificat d'études. Enfin, il y avait un truc. Genre peut-être mes parents ou vos parents peut-être l'ont eu. Et encore, c'est vieux, vieux, vieux. Merci Aura. Merci meuf. Merci pour les 100 bits. Bien le bonjour. Bonjour à toi. Oh! Bon, bah ça annonce une belle game parce qu'ils jouent bien en face. On vient de jouer contre eux. Enfin, je viens de jouer avec eux en fait. Oh, d'accord. MDR, c'est le Six Invitational, votre game. Grave, mais en fait, on tourne. ils étaient là. Je sais pas qui m'a remplacé, mais lui. Elle. Il y avait une nana et les trois mecs là. Ouais. Ouais, c'était le brevet, le certificat d'études. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais.
À l'époque, il n'y avait pas de brevet des collèges, c'était un certificat d'études. Certificat d'études. Yo, Quartino. Yo, tout le monde. Pour le CM2, il y a longtemps. Pour le CM2. Ah ouais, carrément. Oh non, plus... God fucking damn it! Putain, j'aurais bien changé de map, quand même. Je sais pas s'il va y avoir les mêmes calls de notre côté. Hein. Oh merde, oh non, fait chier, c'est dommage, ça a annoncé une belle game. Mais visiblement, ça parle pas hein, beaucoup, là. Hi guys. On va voir. À quand le certificat salé? Bon, elle est perdue. En face, ils vont bien call. Et nous, on va se faire défoncer la rondelle, c'est normal. Need to use your drone to locate a bomb. Bam bam badadam, bam bam badadam. Sorry. Were they top? Bon ok, ça va pas parler. Putain, fais chier, je serais bien retombé avec les autres en fait moi. Ça parlait bien, c'était du beau rainbow. C'était du beau rainbow qui parlait bien. Insertion in 10 seconds. Bon bah là c'est chacun pour sa gueule en 4v5. On va passer une bonne journée. Tout à l'heure ils ont pas spawn kill mes potes, donc on peut imaginer qu'ils vont faire la même chose. Pas beaucoup d'agression vers l'extérieur. Are they top or... Bon, je vais aller. Yeah, ok. Are you a streamer? No way. Your mic is too good to not be a streamer. No, my parents are rich. Sounds like it. T'es streamer? Non, parce que t'es... Ton micro est trop bon pour que tu sois pas streamer. Et je lui dis non, t'inquiète, je suis pas streamer. Mes parents sont juste riches. There's a guy in yellow. Yeah, I killed Cap, can I think? Yeah, nade this guy? Oh, yeah. Yana, do you have nades? Nice, yeah, bro. There's another guy in yellow. Oh non, il me la colle! Still yellow. Ok, yeah, still yellow. Oh, je pensais que mon flic allait marcher. Oh, je pensais vraiment cool. Dessus en plus. Oh, je suis trop con. This guy yellow, man. So... Yeah, 2v2. Mute there. Was yellow. Smoke. Ok, so smoke, still yellow. We can hear him. And one on site. Yeah. No, here. Careful, Capcan. Careful, Capcan, bros. Nice, bro. Nice. Four eliminated. Friendly mission successful. Bah lui, il parle. Ouais, bah vas-y, heureusement. On donne les calls aux autres. Ouf, c'était propre, ça. Pam, pam, padadam, pam, pam, pam. Pardon. Ok, j'ai envie de jouer Zofia. We don't need a fifth, we're too goaded. Yeah. Screw that guy. C'est quoi? Je vais tenter un truc. Parce que s'ils prennent là, je peux jouer sur la verticalité avec mon Flores. Mais je vais essayer de jouer avec un Flores qui casse les couilles au mec yellow. Ça peut être pas mal, n'empêche, d'avoir un petit Flores pour clear le yellow, quoi. Pour tout péter dans le yellow. On va tout péter dans le yellow. Oh, et s'ils sont en bas, et ben voilà. Bah, je l'ai dans le cul. Bon, je peux jouer sur la verticalité, bon, c'est pas ouf. Mais, d'un autre côté, c'est pas mieux que... C'est pas pire que Zofia. C'est pas pire que les autres. À
I don't think they reinforced the hatches. 10 seconds to insertion. S'ils ont pas renforcé les hatches, on va spawn là, parce que s'ils le font en retard, on bute. C'est aussi simple que ça. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Longtemps que je l'ai pas joué. I'm gonna run in. No one in a circle desk. Je vais pas dire camembert parce que toilet is clear. They didn't reinforce anything. Activating drone. But they put it a mute. Careful. Oh, okay. Everything is open, I think. Careful. You have located a bomb. There's a guy. Mute pillar. On the hall. That's my turn. Oh, putain, le con. There's a guy small. One highway. Oh le con. Oh, j'aurais pu droner avant quand même. Bon, je leur ai fait des gros trous normalement. What? Il a pas froid celui-là? La merde. My bad. J'aurais pu au moins faire un kill. Du coup, ils vont être au top, ils vont être au top, ils vont être au top, ils vont être au top. Et ils vont être au top. C'est là que je voulais jouer le Flores pour faire chier un peu l'autre. Mais ça me fait chier en fait, ça met trop longtemps à proc Flores, c'est long quoi. Vas-y, on va plutôt jouer ça, hein. Tranquille. Salut, salut, tu penses à la nouvelle match de Rainbow Six va être bien? Ouais, ouais, tranquille. Ouais. Ouais, elle sera bien. Rien d'exceptionnel, mais simple et efficace. Simple et efficace, je pense. Mais bon, ça a manqué de contenu. Elle sort quand d'ailleurs? 14 juin? 16 juin? 19 juin? Je sais plus, avec juste au moment du début de l'Euro, je crois. Injured one long. Injured long, guys. He's getting raised. There is no one in the toilet.
There's a mirror on the spawn wall, on connector wall. One connector, low HP. Yo, just go to bathroom. Go to bathroom. Lui, il était du perdre. C'est le seul qui est du perdre dans l'équipe en face. Pam pam parabam pam pam parabam. Je trouve le droning post-mortem un peu abusé et le fait de rendre une Mira useless avec un coup de crosse, c'est nimp. Et les cams blindées aussi, à la rigueur, pour Maestro, c'est pas encore trop grave car la cam reste utilisable en l'ouvrant. Moi, je pense l'inverse en fait. Je trouve que le nerf de Maestro est plus compliqué que. Est plus un nerf que le nerf de Mira. Combien de fois, dans des situations, tu te trouves où il y a une Mira, tu te trouves dans une possibilité... Je sais pas où on est, j'ai pas regardé. Merci Gamer pour les 10 mois de frais scolarité. Combien de fois tu peux aller puncher la Mira? Puncher la Mira? Combien de fois? Rarement au final, poulet. Merde. Ah, le fait de pas pouvoir volt alors que t'as un truc dans les mains, c'est quand même une connerie absolue, ça. Je trouve. Oui, j'avais pas de Maverick tout à l'heure. Ils sont tous en train de remettre. Free point. One C. Yellow door. The kitchen. Go right now, Visa. Can you open that? Mirror, pop the mirror that's right there on pink. Mirror, pop the mirror. In cafeteria. Direct fight. One friendly remaining. On the mirror. He's cafeteria. On the mirror. One down the long hall, one yellow. Oh yo, they're planting pipes. Planting pipes. You can swing this planting tank. Planting pipes. On the mirror. Nice. That's the feature. On rotate. La balle passe juste au-dessus. Pourquoi je lui ai demandé d'ouvrir la Mira? Ah ouais, je t'ai demandé d'ouvrir la Mira. Je te l'ai dit, open the mirror. Nice call day. Je te le dis mec, d'ouvrir la Mira. Je te le dis, je l'anticipe. Je te dis, ouvre la Mira. Ouvre la Mira.
Elle va me faire chier. Bah voilà. We can go top if you want. Huh? I can go clash in CEO. They won't do anything. If we can have like a cade or something for the closet, they're done. Je vais faire la petite, on va faire voilà, on va faire la petite strat pro league là. Renfort du mur ici. Après, je sais pas jouer clash, hein, mais bon. J'attends le pré-shot du mec là, il va y avoir des balles qui vont me tirer dans les yeux dans 2 secondes, attention. C'est pour ça que je t'ai dit de faire un truc, mec. Reverse head. If they repel them, they're dead. I have cross map. There is a reverse head on my ping. Head down. Nice, bro. There is an ace at the skylight yellow. Là, il va aller pusher là, mais là, le renfort est bon, il me protège le dos. Ils savent plus quoi faire. Nice. Careful, yellow, toilet and all. Frost, I can handle here. Head reverse somewhere, I don't know. Maybe yellow stairs? Yeah, yellow stairs, Zofia. Yeah, top yellow, in front of me. L'importance de mettre. Et là, tu fais une clash et tu fais tout le taf. Sans rien faire. Here on ping. On ping, Zofia. Top spiral. Maybe both. Yeah, Zofia again. Nice. Op 4 last stop standing. Op 4 eliminated. Oh là. Ils peuvent rien faire, ils savent pas quoi faire. Ils sont arrivés sur la porte, la fenêtre CEO. Elle a dit ok, elle a roté SK jaune, elle pouvait rien faire, elle a roté machin. T'as fait 0 kill et pourtant c'est toi qui as fait tout le round avec 3 renforts et une clash. Sa petite strat pro, ça passe très très bien ça, très très bien. Bon bien sûr le mieux c'est quand même de s'aider, de level up un peu de communication, de se faire aider avec un Jaeger quand même sur mes fenêtres, d'électrifier quand même le closet pour éviter que ça me pousse à droite. Après t'es bien, mais faut pas renforcer le mur du milieu sur le connecteur, donc faut faire attention quand même. Renfort du mur de droite pour éviter que le mec monte au niveau du... prenne la ligne soit balcon, soit rappel connecteur. On est où là? On l'a pris en bas? En bas, ok.
Ils auraient du rotor en face. Bah, ils auraient dû pusher admin. Mais bon, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps de pusher admin. De roter admin. Ah, si, je vais faire les trous de rotor. Hein. Idouane. Located a bomb. Be ready for assault. Position device. 10 seconds. What? Pourquoi on veut plus volt là? Down to 5 seconds. Them. I'm baiting, there is a lion. It's for you, Igor. They're droning. I'm baiting the drone for you, Igor. Oh fuck. Enemy drone is coming in for a scan. I reinforce the hatches. I know. Oh, sorry, I was coming back. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Je voulais, mais je voulais juste faire un kill de plus et après revenir, quoi. Là, je faisais le kill, je revenais. Mais je voulais surprendre l'autre sur un push. Je pensais qu'elle allait entendre le truc. Mais après, j'étais pris, quoi. Ça aurait été difficile de toute façon de faire demi-tour. Ça prend pas, ouais, je vise pas la tête non plus. Je suis pas chaud non plus. Where are they gonna meet up? Ah, j'espère qu'il est pas vénère parce que j'ai fait ça, c'était... Je pourrais comprendre dans sa pauvre qu'il soit vénère. C'était logique en fait, on était en 2v3 après. Si je le raise et si on fait un push en 2v3, ils savent tous, le dernier il va se planquer quoi. S'il est pas trop con. Putain, j'ai mal à l'épaule. Trop de Rainbow Six cette semaine. C'est quoi comme perso ça? C'est quoi comme perso? C'est Alibi ça? Sérieux? Mec, j'aurais pas pu savoir hein. Franchement, je reconnaissais pas. So Alibi is dead. Their basement or top? Basement. I can run for you if you want. I
Okay, there is no one in the main. There is no one in toilet. Oh yeah. Oh, nice one. Nice revenge. I'm coming. Wait, wait, we got time. There is one in yellow stairs. Yellow stairs, duck. On the office, man. There is one yellow stairs. Tube, tube. Pipe. Oh no, please. Last operator standing. Oh, fait chier les mecs. Il est pour moi, lui. Il va pousser vers moi maintenant. Il est derrière le camion jaune. Forcément là, là. Putain, je tire comme une merde là, je lui ai tout mis dans le fion là. Dit bah non, en fait il en reste un, on n'a pas perdu. I'm gonna clash again. If we have like a cade or something for so that they can't open the or mute so that they can't open the yellow stairs, yeah, okay, on va te faire enculer. Secure the bombs. Vas-y, je prends clash deux fois quoi, mec. Je suis vraiment le bon poteau quoi. Elle a toujours des impacts en deuxième la clash ou quoi? Sorry, bro. 10 seconds to insert. Gotta drive, bullseye. C'est ça, me coller au fion aussi. Down to 5 seconds. Bomb location secure. Magnet fit. Catching projectile. Pourquoi faire ça? Non. One on my window. One top skylight yellow stairs. There is a red dot here. I don't know who's that. Okay. It is mine. One make him up spiral. Ah putain. I'm reloading. J'ai pas fait les setups comme il fallait, pourquoi je fais là?
Spiral. Just located by Op 4. Two Spiral. Inside, inside, inside! I thought we had a little bit. Mais non, mais parce que vous êtes des putains de cons! Ce mur là à droite! Voilà la différence avec tout à l'heure! Un mur qui me fait yesh! Un mur! Putain, j'aurais dû aller renforcer moi-même! Comme quoi ça joue à un mur! Ce mur là, il fallait pas quoi, putain! Après, du coup, ça m'a déconcentré là, et je me dis putain, ils peuvent avoir la ligne de la machine, le mec il s'est mis en rappel là, hein. Derrière, bah du coup, je sais pas où danser, quoi, donc j'enlève mon shield, en fait. Bah, tu mets ton shield dans le dos, en fait, et t'essaies de coller des têtes. Ok. Quelle bande de Toto des triptiques. Ah! Vas-y, bah, je sais pas quoi prendre. Bah, vas-y, bah, Ibana. Bah, vas-y, parce qu'en plus, je suis obligé de faire le, de prendre le Heartbreacher. 9 kills, on a 10 kills avec une clash de merde. Un basement, I think. Hop, nope. Top floor again with the shield in the yellow stairs again with the smoke again. Yellow stairs probably. Let's attack admin. Je vais pinguer parce qu'autrement c'est pas sûr. On leur fait une petite américaine à l'ancienne. Là. Avec la petite Ibana qui va bien. Ah, j'aurais pas dû faire ça, je suis con. There anyone? Toi tu devrais jamais rester là mon gars, le C4 il te reach hein. There's one in them. Yeah, Capcan. Capcan, I think. Yeah, on ping, left side. He's prone. He's dead. Dead again. Nice, we got time. Wait. I'm gonna open in front of you. I'm gonna drone. Wait, Ying. I'm gonna open here on ping. There is no one. Long desk. He's going to remove my Ibanez. Voilà, joue autrement. Long dead, you can plant. Let's go. You wanna go outside? Just complete death drop. He might rotate, huh? Connected. See you. He isn't connected now. Flash incoming! Breaking the barrier. Nice. GG guys, amazing. Mission successful. Whew!
Ouais, ouais, c'est moins stylé quand je suis tout blanc et que je vois rien. Pouh ! Qui c'est qui avait fait une prédiction négative, là, en 4v5, là ? Qui c'est qui avait fait ça ? Qui c'est qui avait fait ça ? Eh ben, c'est pas très sympa. Quelle heure il est ? Il est 17h. Je coupe à 18h, le live. Alright. Ah, putain, j'ai mal. J'ai mal. Ah, trop de gaming, trop de clutch. J'ai gagné plus de skills depuis que j'ai le charm. C'est le skill et le game sense. Plus 20% de game sense donné par le charm in-game de la Salty Academy. Bien évidemment. Non, elle était cool la game. Elle était cool la game pour le coup. Oh, tiens, pardon. Ceux qui veulent se faire de la thune, hein, ceux qui veulent se rattraper. Let's go. Pam, pam, pam. Ceux qui veulent se rattraper, les amis. Quelle est la couleur Del Paco, ok. Quelle est la couleur de ce pack? Prédiction, elle arrive maintenant, tout de suite. À tout de suite. Friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I'ma die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. Yeah, I go hard day and night. One to one, no surprise, see the hate in their eyes. My brother's blood money bleed, I got the game in the squeeze. What would you do for some green? What would you do for some blues? Go pick and choose a fam of the cheese. Some people not built like that, some people get killed like that. Pressure like water, lights, mortgage, I've been at bills like that. Now I got kids like that, no wonder why I feel like that. Some people go to war for nothing, me I go to war for something. Some people need knives and guns, same ones just talk and run. Some people go to war for nothing, me I go to war for something. Some people need knives and guns, same ones just talk and run. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die. Keep calling, money on the books, need all that. My kids, kids, they'll be ballin'. Got a real bankroll, not for Instagram. My mama on the line, keep calling. Praying for me, know I need all that. Told me it's not about ballin'. Real blessed, but I'm still sinning. Man, what would you do for a win? What would you do for your friends? What if this life is a foe? What if it all is pretend? What if you roll to the end? What if you started again? This is real life, not a game. I find my battles to win. But some people go to war for nothing. Me, I go to war for some. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. Some people go to war for nothing. Me, I go to war for some. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart. I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night. Non, j'ai pété un câble. Du coup, 3, 2, 1, c'est du violet. Pas du tout, dans le cul. C'est de la merde. Allez, bam, duplicate, de la grosse merde. Et voilà, super, allez, au revoir. Ouais, c'est vraiment de la daube. Yes. Les mecs sont contents, je touche du blanc dégueulasse. N'empêche que ce skin est quand même méga vieux, je crois. Hein. Je serais pas étonné qu'il soit là depuis le début du jeu, honnêtement. Honnêtement, ce skin, je sais pas pour ceux qui ont commencé, mais je crois qu'il est très très vieux, celui-là.
Non, remontre. C'est le web. Web web. Je pense pas que ce soit web, plutôt web. Il est où? Il doit être sur un smoke. Low doute. Tac. C'était celui-là, là. Web. Uncommon. Je pense qu'il est vieux, celui-là. Ça, c'est légendaire. Le peacock, là. Franchement, il y en a... Je comprends pas. Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas certains skins, quoi. Bon, en même temps... J'ai pas encore... Putain, il faudrait que je le prenne, celui-là, quand même. Putain, je suis vraiment trop con, quoi. Il est trop beau, je vais tellement le regretter. Et j'ai pas de points, quoi. Attends. Y a pas un truc, là, challenges? Claim. Voilà. Claim. Voilà. Claim. Oui aussi. Claim. On prend. Claim. On prend. Ok, 20k. Oh putain, il manque 10k. Il faudrait que je fasse quoi? Ying, lésion. J'ai gagné un round avec lésion tout à l'heure. On l'a perdu le round avec lésion? Ah oui, sur banque. Valkyrie. Ok. Shotgun. Oh bah nique-toi. Win 8 rounds. Putain la vache. 250 pour gagner 8 rounds ou 250 pour gagner 4 rounds. C'est quoi la logique? Elle est où la logique en fait là-dedans? D'accord, à part changer le nom qui peut donner une certaine logique, mais... Ah ouais, t'as deux fois plus de personnages pour le faire. Ouais, donc du coup, ça compense un peu. Ok. Il y a une certaine logique. Ça, c'est bon. Enfin, en même temps, ça me fera... ouais, même pas... 750 en plus. Ça va être chaud. Hein. Competitive shotgun. Donc, shotgun... Plutôt Thermite, H, Castle... Enfin, shotgun, FBI... Et Ying, lésion. Shotgun FBI et Ying Lésion. Tu payes 1200 crédits RC sinon. Non, ça va pas la tête ou quoi? Mettre de l'argent dans Rainbow Six. Non, mais il est con. C'était une blague, j'espère. Elle était bonne. Voilà. Non, je l'ai fait l'autre jour. Je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait d'ailleurs? Pourquoi j'ai mis de la thunasse dans Rainbow? Il devait y avoir un truc, on pourrait choper cake de la thune, je pensais. C'était vraiment trop stylé. C'est pas une question de troll, hein. C'est juste une question que, bon, le skin, ça me plaît pas plus. En même temps, je dis ça. Mais sur Valorant, je pense que j'ai dû mettre 200 euros, quoi. Sur Rainbow Six, j'ai dû mettre, en 6 ans, 20 euros, je pense. Ouais, et puis, il y a aussi ça. Ouais, je suis assez d'accord, en fait. Il y a aussi ça. Rick et Morty, non, je l'ai pas pris. Enfin, je crois pas. Il y a aussi ça. Il y a le fait que tout le monde t'envie... Les camos Black Ice et Glacier. Donc en fait, tout le monde a mis au rang de super skins des skins que j'ai déjà sur toutes les armes, en fait, quasiment. Donc du coup, je le mets là-dessus, tout le monde est content, et voilà quoi. Ouah, trop bien, t'as le Glacier. Ah, ouais, en fait, je l'ai sur toutes les armes, quasiment. À 54, t'as la couleur des attachments. Ouais, je les ai jamais changés, par exemple, ça c'est pareil, quoi. Vous avez dépensé combien dans le jeu? Sérieusement, genre sérieusement. Pas de troll, pas de mytho. Non mais c'est très bien. Hein. Après, bon, j'ai acheté un jeu, deux jeux. Voilà quoi. 0€, 200€, 50€, 10€, 60€, pas loin de 700. Babycat, t'as mis 700€ sur Rainbow Six. Merci infiniment, Eternity Off, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. C'est 5 euros, ça. Nouvel étudiant, bienvenue, poulet. Bienvenue. Et t'as un charme, en plus, avec. T'imagines? Banque? Oh oui, banque. Non, on n'en veut pas, non. Let's go.
300 euros. 5 euros vraiment, c'était pour acheter Mozy. Ouais, je peux comprendre à la limite. Ouais. Zéro depuis 2015. Les season pass à l'époque. Ah, Mika Hero, t'as trouvé. C'était pour prendre le season pass premium la dernière fois. C'était pour prendre le season pass que je l'ai pris. C'est fini le season pass ou quoi d'ailleurs? On n'a même pas regardé. De toute façon, les trucs se débloquent automatiquement. Mille euros minimum. T'as un subprime et t'es même pas étudiant au campus, Cyril 34000. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as mis 1000 euros sur Rainbow Six. Tu veux même pas prendre un frit de coca, grande boisson chez WAM. Putain, ça me dégoûte ça. 700, 1000, 1200. Non, j'y crois pas. Là c'est bon. Là, il y a les mythos qui flexent, quoi. 1000, 1200. Ouais, ouais. Donc vietnamien. Ouais, ouais, ouais. Ça fait 1,40€, quoi. Ok. Non, j'y crois pas. Non. J'avoue, lol. Bah ouais, l'autre avec la petite couronne et tout, même pas étudiant du campus, vous avez votre charme, j'espère quand même. Putain, je te jure. J'ai acheté que les passes. Season pass remplace par battle pass. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est pour ça que j'ai mis la thune pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un season. Sur mes deux comptes, j'avais un season pass à vie. Voilà. Il était, c'était un season pass à vie, quoi. Il le donnait pour les créateurs de contenu. Enfin, il nous l'avait filé à l'époque où il l'avait inventé. Donc, sûrement au début du jeu ou quand on avait gagné la Pro League ou je sais pas. Je suis presque sûr que... Parce que quand on avait win la Pro League, ils avaient filé plein de trucs, dont ça. Et le season pass s'enlevait jamais. Il est parti quand... Il est parti pour tout le monde. Donc, la dernière fois, je me suis retrouvé avec un battle pass. Et il n'y avait pas de... Hi guys. Et il n'y avait pas de comment dire, de... Il n'y avait pas de merde. J'avais pas le premium, c'est ça? Premium Battle Pass. Ah, je l'avais pas. Donc c'est tout en fait. Renshi is ready. J'ai juste mis 50 euros et pour le pass c'est suffisant je trouve. On peut voir l'historique des achats quelque part. Je sais pas, franchement je pense pas. C'est possible ça? Peut-être légalement c'est obligatoire. Hein. Lion is dead. Ils ont pas cassé la cam là. Pff, quel toto. Je sais même pas quelle ligne ça te met celle-là. Je crois que l'endroit où est monté le lion, je ne suis jamais monté à cet endroit-là de ma vie. Oula. Bouge pas trop toi. Oh, t'es, sur le toit, ça va me tirer dessus. One VIP. Unders. Ils ont regardé la Yesh, tu le sens. Selon l'angle de cosinus et de sinus... Ouais, ça me semble pas mal. Ils sont nuls. Zéro cam, zéro pression. Française.
Streamax. 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 Roof. You mean roof? On the roof. On the roof or on the roof? Yep. What? On the roof? Or on the roof? Essayer de les trigger un peu. Ça sent le stream hack quand même. J'ai envie de jouer à la SMG. Ouais, non, je sais pas ce qui m'arrive. Laisse tomber. Ah bah non, shotgun. On a dit quoi? Putain, je suis trop un sombre con. Castle. Castle. On va prendre Castle pour FBI machin. Rappelez-moi s'il vous plaît que j'ai des challenges à faire là. FBI Lésion. Ah, Lésion aussi. Ouais. FBI Shotgun Lésion. Oh putain, mais FBI Shotgun, je peux faire les deux au pire. En plus, ils ont l'air d'être rincés en face. Petit Shotgun sur Castle ou sur Pulse. Hop, hop, hop. Old school. Ah ouais, on a pris le blue carrément, on est des monstres. Ok. Ils sont nuls, pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais, mec? Ne fais jamais ça. Non, ça a pas l'air d'être des flèches par rapport aux deux games de tout à l'heure, qui étaient monstrueux, sérieux. Oh, il va pas venir me pique, viens pas me pique. Non, non, fais pas ça. Je te le dis, c'est une mauvaise idée. Ton pote est de l'autre côté, on le sait. What? Ah non. Et d'être de top. Behind the wall.
Qu'est-ce qu'il fait, sérieux? One tap. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais viens, va le récupérer ton diffuse, il est là ton diffuse, mec. Oh là là, mais quel trop de zboob. Ouais, je t'avais dit, hein. Dès le premier round, tu vois tout de suite que c'était les Toto hein, avec qui on jouait là. Yeah. Les États-Unis en samedi après-midi. Oui, c'est comme ça. Enfin, samedi matin. Enfin, samedi, ouais, 11h. Ouais, bah on a qu'à prendre Pantouze, hein, j'ai envie de dire, quitte à prendre les bons bombes sites. Ok, bah j'ai pris le castle. Et on a gagné une round. Donc au pire, je fais mes claims et puis c'est bien, quoi. Le but du jeu, c'est d'aller chercher mon skin. Hé, attends. Vous pensez que ça m'a fait un kill au shotgun ou pas? Vous pensez que ça m'a fait un kill au shotgun ou pas? Secure the bombs. Ouais, je pense, techniquement, oui. Ah, intéressant. Bon, ils ont l'air flingax, hein. Ils ont l'air totalement éclatax. I'm dry, that's not true. Actually, you have like plenty of other shells, motherfucker. But the fact is like you're reloading, that's it. Double shotgun. J'ai vu ça dans un jeu vidéo. Combo double shotgun, apparemment, c'est très bon. Un truc un peu comme les Sims, où faut construire des bâtiments très très vite. Ok. Vas-y, laisse tomber la game de merde, quoi. Allez, vas-y, on va faire des... Vu que c'est les coppers, on va faire des bons trucs de coppers. Setup Pro League, les amis. Ouais, je sais, c'est impressionnant. C'est ridicule, putain. J'ai même pas un pistolet en plus pour essayer de tenter un one, quoi. Que veux-tu que je fasse avec ça, sérieux? Swapping mags! Swapping mags! Oh là 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 là, les trous de zboob. Je suis sûr que je peux aller recheck. Oh là 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 là. La pire game de la journée. Reload. You have been spotted by hostiles. Il est là-bas. Il va être en face de moi maintenant. C'est quoi ces mecs? Non, non, le tue pas. Mec, oh. depuis tout à l'heure, ça jouait super bien avec de la bonne com, des bons setups et tout. Ah, les deux games sur consulat étaient tellement kiffantes, sérieux. Les deux, hein, franchement. Deux fois overtime et tout, machin. Et là, c'est quoi ce truc de Toto des îles, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le cache-cache, sérieux.
Mais c'est pas vrai qu'il arrive pas à faire un kill en plus. Time expires in 10 seconds. Et il va gagner, imagine il gagne. 5 seconds left. Oh là là. Op 4 eliminated. Mission successful. Non mais j'y crois pas. J'y crois pas. C'est des joueurs PlayStation, vous êtes des bâtards. Des joueurs mobiles. Eh, vous avez vu d'ailleurs, Valorant sort sur mobile. Comme on l'avait dit, quand le jeu est sorti, il y avait un mec qui avait lancé un jour le jeu. Et c'était trop drôle. Le leak était tombé comme ça en fait. Il y avait un gars, il avait lancé son jeu, mais il avait un écran tactile. Et donc du coup, c'était genre la version Windows mobile, mais sur son PC. Et Valorant s'était lancé dans un mode un peu particulier, quoi. On va prendre Termite, du coup, pour faire le truc. Voilà, et il s'était lancé avec des grosses touches et tout. Et vous vous rendez compte, hein, il y a un an, c'est ce qu'on disait. Hein. Il sortira sur mobile avant de sortir sur console. Et en fait, il sortira jamais sur console, c'est quasiment sûr. Personne ne va l'accepter sur console, quoi. Donc plutôt que de downgrade l'image du jeu, ils ne le sortiront pas sur console. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Mais n'empêche, bon, faudrait voir comment c'est sur mobile, quoi. Parce que bon, si, la gestion du recoil, je peux comprendre que sur console, du coup, ils se disent « Ouais, on n'a pas envie de dénaturer le recoil sur notre jeu, donc on va pas le sortir sur console parce que c'est compliqué, on veut pas faire d'aim assist ou je sais pas quoi. » Ok, pourquoi pas, ça a du sens. Il y a d'autres jeux qui n'ont pas d'aim assist, mais... Ouais, quoi. Mais mobile. Mobile, quoi. Tu fais quoi? Tu fais... Pour spray... Pour essayer de respecter le pattern du spray, c'est n'importe quoi. Merci infiniment Booba pour les 13 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci Poulet. Oh, je l'ai pas vu. Oh merde, ça m'apprendra, tiens. Et là ils vont remonter. Et là en fait ils se sont foutus de notre gueule. Les mecs sont des monstres. Friendly, last operator standing. Ouais, j'ai vu sur la vidéo de Bikini Moody. Attends, mais c'est un charme de quoi ça? De plate, non? C'est chaud, non? C'était peut-être du foutage de gueule. Si c'est du foutage de gueule, il y a du foutage de gueule de deux côtés, parce que là, il y a du stream snipe déjà, je le sais. Il y a personne avec moi. Donc on partira après. Vous voyez la remontada? Oh, s'ils se mettent en mode remontada, c'est bon, je m'arrache. Parce que je me dis déjà que eux, ça parle un peu trop français, là. Nope, nope, nope. J'y crois pas. Bon bah let's go. La game du caca. Et n'oubliez pas de faire point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Discord les amis. Surtout si vous voulez devenir et participer pardon au Yonkis Royal. Ou avoir les informations de quand est-ce qu'il sera. Ça va être un putain de moment vraiment. Cette espèce de Koh-Lanta du Rainbow Six Game. On va partir avec X joueurs et il en restera plus qu'un. Bon, il n'y aura pas l'épreuve des poteaux. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le charme de la Salty Academy sur console? Et si oui, comment? Pour les informations de charme. Et oui, tu peux l'avoir sur console. Oui, oui. Oh putain, pourquoi j'ai pris Zofia? Je suis trop un con. What?
located above. Bah va te faire enculer, tiens, ça me saoule. Mais je suis une sous-merde! Je sais qu'elle est là! Tu vois, quand les mecs commencent à puer du zboob, du coup toi aussi tu puies du zboob. Ma tête dépasse, vous pensez là ou pas? On va le savoir dans 2 minutes. Ok. One more salty fan. Ok. Allez, ils vont activer les autres là. Ils vont se mettre en mode Super Saiyan maintenant. Allez, gagne ta game. Gagne ton duel. Ah non, c'est 1v3. 1v2. On sait plus. Oh, il peut la mettre ici. Ah, dommage. Là, j'étais en train de chercher ton message précédent pour comprendre celui-là, ça va être toi? Ok. Toi qui voulais du V2? Ouais, non, mais bon, pff, ça sert à rien là, vas-y, go sur N, sérieux, non, on peut pas? Les games de merde quoi, ça sert à rien de stream hack les mecs et de stream snipe et pour tomber avec moi, j'ai pas envie de jouer avec vous. Ouais, désolé, et ni contre vous. C'est comme ça, c'est la vie. Quand je fais les game viewers, je fais les game viewers. Aujourd'hui, c'est pas game viewer. Tout simplement. Putain, ça donne pas envie de jouer, quoi. Après les deux games de consulat de tout à l'heure, là, qui étaient trop bien. Ça, c'est vraiment les, voilà, le pire, quoi, le pire du pire, quoi. Ah bah on arrive, bah on s'est fait spotted parce qu'on a un accent français, ah bah on s'arrache mid-game, on pourrit la game. Et... bon. Aïe, je te jure. T'as vu la vidéo de Gotha avec Azox, il parle de R6. Ah ouais? Ils ont dit quoi? Non, j'ai pas vu, hein. je regarde pas les vidéos. Envoie-moi le lien sur Discord et puis on la regarde en live. On react. Bon, en général, quand tu joues pas à un jeu, y a beaucoup d'excuses derrière. Ça se stream pas. J'aime pas. On le fait tous. Hein. Ils sont où du coup? What? Sérieusement? Putain, il me fait chier. Oh, j'ai même pas envie de le jouer, j'ai vraiment envie de faire le toto là.
faut pas que... Ne faites surtout pas ce que je suis en train de faire. Pire façon de jouer ce bomb site. Vas-y, non, on va pas la perdre. 2v3, 2v4. Là, les mecs. Ah, ça me saoule. Celle-là, elle me game, gros. Allez, let's go. Change de compte. Déjà, le fait de. J'aime pas tomber avec des Français, je l'ai déjà dit. Merci, Ricam. Si je jouais sur les serveurs US, c'est qu'il y a une raison. Merci, Ricam, d'avoir offert la possibilité à Palacito, à Mr. Dixay, à Doudouf 1401. Leur droit de scolarité, même leur frais d'inscription au campus de la Soltier Academy. Merci infiniment, Poulet. T'es un putain de monstre. Vraiment. Merci, Ricam 343. Vraiment un monstre. J'ai changé de compte, vous inquiétez pas, on le fait. De toute façon, maintenant, il faut que je fasse 2-3 games max et après, je change. Merci, Ricam, d'avoir payé toi-même tes frais de scolarité au sein du campus. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et merci, Iskandar, putain la vache. Merci pour tes 28 mois déjà que tu payes au sein du campus de la Salty Academy. Plus de 2 ans déjà. 2 ans déjà, je m'en étais pas rendu compte. Bon live. Merci infiniment, poulet. Merci, Iskandar, t'es un monstre. Vraiment, ça me touche énormément. Quelqu'un me l'a envoyé la vidéo, du coup? Non? Sur Discord, la vidéo où Gotha parle. Et qu'est-ce qu'il disait? J'ai pas vu du coup. Regarde la vidéo de Gotha. Bah, il faudra me l'envoyer sur Discord. Si quelqu'un peut me l'envoyer, je vais pas aller la chercher. Ils ont parlé de la Pro League qu'elle était tiers 1 ou 2, je crois, qu'il y a de belles audiences. Tu regardes, c'est intéressant. Ah, ok. Ah, mais c'était avec Azox ou c'était le truc où il parlait avec Laure? Je pense que c'est un live de 2 heures. Ah ouais. Mais c'était pas le truc avec l'or? Néo et l'or. Et c'était là qu'ils avaient parlé de Rainbow Six? Ouais, s'il y a Néo de Vitality, il va pas dire du mal de Rainbow Six. Enfin, du mal, entre guillemets, quoi. Ah, je savais pas qu'ils avaient parlé de Rainbow Six. Ouais, c'est Open World. Open World, c'est quoi? C'est le nom de la... De leur... truc? Comment ça s'appelle? De leur concept? Si je regarde la vidéo, dernière vidéo, mais j'ai regardé la vidéo dont je te dis pas de la merde. Ok. Non, mais je te crois. Hein. Je te crois. Mais je n'arrive pas à la trouver, je vais check sur Twitch. Elle est peut-être pas sortie... Ouais, ou alors peut-être sur le truc Vitality, peut-être. Je sais même pas. C'était sur quoi? C'est le nom de leur émission? Bah, tape Open World, ouais. Ok. Des conseils pour apprendre les stats? Les stats? Il parlait d'e-sport, Rainbow Six et des résultats. Ok. Gotaga sur YouTube, sur sa chaîne. Si, sur YouTube, une vidéo de 2 heures. Ouais, mais bon, s'il parle pendant 2 heures de R6, voilà quoi. Ils vont pas parler pendant 2 heures de R6, je pense. Quelqu'un m'a envoyé la chaîne, je sais pas si je peux regarder. On parle d'e-sport avec Néo et Laure. Ça rime. Ok. Et c'est sur la chaîne de Gotaga Open World. Vas-y, on va couper la pub. Attends, on va regarder ça. Vas-y, mais nique-toi en fait, la recherche. C'est qu'en fait, il y avait une LAN à Amsterdam, ah. C'est la première fois que je me séparais des Français, j'avais joué avec des Anglais, qui s'appelait Apex. Le Covid, l'arrivée de. C'était la première fois de ma vie que j'avais des billets de 500, c'est-à-dire qu'ils m'ont encerclé. Je recevais de l'argent comme ça. C'est pas mal, toi, 1500 ah oui, balles déjà en 2012. Mais non, mais c'est pas ça, c'est. Mais à ton avis, pourquoi j'avais quitté tous mes potes? Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur cette TV Twitch, hein, Gotaga TV. On est en direct, mesdames et messieurs, pour Open World, deuxième édition. On est très très bien accompagnés ce soir avec Gotaga, vous l'avez vu. Regardez, on a Laure qui est avec nous, qui a fait le déplacement pour être là ce soir. Salut Laure. Coucou Dogby. Comment coucou ça va? Coucou tout le monde, coucou le chat, ça va très bien, ouais. Et toi? Bah écoute, très très bien. Et on a aussi Néo, bah, le big boss hein, de Vitality. Comment tu vas? Écoute, ça va bien, je suis un peu impressionné, ça fait longtemps que j'avais pas fait de médias. Ça va? Je me remets un peu dans c'est le où du coup? On est sur 3 minutes. Ouais, d'accord, ok, mais où? C'est pour ça qu'on. Quelqu'un a le timestamp. Ouais. En termes de qualité d'invité. Donc voilà, ce soir, on a du très très beau monde. Et je pense que je cassais les couilles à mes mates. Hein. Je pense que. On n'en avait pas conscience. Je pense qu'on n'avait pas conscience aussi, mais même, tu vois, genre, c'est-à-dire que tout était. Ouais, mais c'était n'est pas. Moi je trouve qu'il y a un mec qui avait tout compris avant tout le monde. Mais genre c'était Cocomix, c'est-à-dire le mec qui était trop fort dans le jeu, donc qui gagnait tous les événements. Tu vois pas qu'I Love Barbie? Bah c'était les deux, tout mais ils étaient tout le temps ensemble. Je sais pas, mais je vois pas Cocomix faire des vidéos. Enfin bref, on n'est pas là, c'est un peu pris fort avec leur.
Encore une fois, la performance, c'est ça. Dernièrement, vous avez battu le record justement que j'avais fait en gagner 20 sur le TPL. Au 3K. D'ailleurs, il va juste te maintenir quoi. Donc tu vas juste chercher les mecs. Des années que tu vas présenter à des marques, à des. C'est Val, le meilleur. Je le montre sur le. Ouais, c'est un Disney. Ils adorent ce jeu et ils consomment que ce jeu-là encore. Il y a des off, je pense que c'est trop crédible qui est d'ici. Après, dans ligue fermée. Ok. J'ai envie d'avoir une équipe code moi. Qu'on fasse machine arrière d'ici un serveur qui gagne. T'as des cas dans lesquels ça crée des super belles histoires. Économiquement, en tout cas, je pense que League of Legends est un joueur. C'est un système annexe de tournois. Ou qui n'auront pas les capacités l'année prochaine de se battre avec les mêmes moyens. Le truc que j'ai dit, justement en citant le truc, c'est que effectivement League of Legends, je suis le meilleur du jeu et en tout cas, je suis convaincu que je suis le meilleur. Je pense que tu dis le talent. Et non, mais c'est en fait le truc. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont faire rayonner le broadcast plutôt créer. Du multijoueur. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de les serveurs, le cheat, ouais, et du coup, il n'y a pas beaucoup de renouvellement en fait, finalement de ça. Quoi. Pardon, parce que oui, effectivement, je n'étais pas au courant des chiffres. Parce que pas même la finale a fait 300 000 viewers, tout ça. C'est aussi que les chiffres sont. Pardon. Ah. Ok, parce qu'il y a pas mal de gens qui. D'ailleurs, c'est quel genre de format qui. Donc Blizzard se bouge de ce côté-là, je pense. Mais tu vois, ça passe par créer des compétitions. Attends, pour Rainbow Six, ça se passe comment d'ailleurs? C'est quel genre de format qui. Donc si Activision Blizzard ne met pas les choses en œuvre, justement, en compétition, autant Air a voulu. C'est aussi parce que Riot a été derrière. Alors qu'il y a certains jeux dans ça. Si tu veux sur Call of Duty ou sinon il faut effectivement. Il a dû en parler avant puisqu'il en reparle après. Généralement les jeux arrivent pas à renouveler leur talent. Non mais c'est en fait le truc c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure parce que on rigolait avec Doug, on disait oui on est pas né à la bonne époque. Je suis né à cette époque là, je suis un crack sur Call of Duty. Tu perces pas. Ah c'est clair que je suis zéro. Ah bah là actuellement c'est sûr que c'est là t'es fort. Il y a pas des CFCO, il y a pas de LAN, il y a aucun site de ladder, il y a un game battle, il y a personne dessus, il y a rien. Et c'est chaud chaud. Donc là faut que je devienne streamer sur Warzone. Voilà, je commence sur Warzone et j'essaie de faire des sur Call of Duty ou sinon il faut effectivement que tu ailles sur Fortnite ou sur les jeux qui fonctionnent. Ah c'est sûr que là ça commence à être un peu standardisé quoi. C'est-à-dire effectivement si tu veux en faire une carrière et la durer sur longtemps, il y a des jeux qui de base sont plus prédisposé à durer quoi. Aujourd'hui, c'est sûr que quand tu commences à être un compétiteur sur League of Legends, t'es plutôt serein de te dire que dans 5 ans, League of Legends sera toujours là. Alors qu'il y a certains jeux, dans 5 ans, tu sais pas s'ils seront là quoi. Y a... Même Fortnite, on doute. Ouais. Si on se doute, bien sûr, hein, Fortnite, qu'ils vont tenir, Fortnite, si demain ils arrêtent de mettre l'argent dans la coupe des World Cup et des Cash Cup et tout comme ça, bah d'un coup, il va avoir un désintérêt. Ils vont en parler là, je pense. Aussi de par les pros, tu vois. C'est ça, tout simplement. C'est le soutien c'est le de l'éditeur. Genre, bien sûr. Si LoL marche aussi bien et a 1h59, là, j'arrive à 2h. Parce que Riot a été derrière à alimenter l'écosystème. La grosse différence, encore une fois, avec Call of Duty. Et je lis à l'Overwatch League parce que pour moi c'est le même format et le même genre de compétition. C'est que selon moi Blizzard a voulu bâtir une compétition vitrine justement en plus pour faire rayonner l'e-sport et leur e-sport et amener beaucoup d'investissements. 2h02. C'est une compétition qui soit ne percera pas, soit sera vouée à mourir. Vu l'argent en jeu, j'espère. Dans un spot, et ça crève. Ça enverra un très mauvais signal pour tout le monde. D'autant plus qu'une franchise, c'est censé être un système qui favorise les joueurs, non pas les équipes. Parce que vu que ton équipe, de toute façon, elle va rester là, quand t'es l'équipe petit pousset, tu sais que tu monteras pas en franchise à moins d'avoir 30, 40, peut-être 50 millions d'euros. C'est les joueurs qui sont censés être mis en avant. Donc, ouais, il faut juste qu'Activision Blizzard se bouge de ce côté-là, je pense. Mais tu vois, ça passe par créer des compétitions. Attends, pour Rainbow Six, ça se passe comment d'ailleurs? C'est quel genre de format? Rainbow Six, c'est ouvert encore. Ils ont complexifié le système de montée et de descente. Avant, c'était, je crois qu'il y avait 2 ou 3 descentes et c'était automatique. Maintenant, c'est le dernier, je crois, à l'issue de la saison et il y en a un. Elle a arrêté de parler. Ah oui, de barragiste. Donc, ils ont complexifié quand même un petit peu la descente pour pas que ça soit automatique. Parce qu'avant, tu faisais 19, tu dégageais. Et là, bon, c'était un peu hardcore et tout le monde s'en plaignait. Mais c'est toujours ouvert, quoi, Rainbow Six. Ok, ok, parce qu'il y a pas mal de gens qui disaient dans le chat justement qu'on évitait Rainbow Six depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, le format, je le connaissais pas. Non, mais tu vois, Ubisoft, je trouve qu'ils font un très bon taf avec le jeu, quoi. Parce qu'ils ont trouvé un équilibre intéressant. C'est vrai, sur l'e-sport, oui. Un circuit ouvert, mais trouver en fait des leviers intéressants de monétisation pour les équipes, avec des garanties aussi un peu sportives, etc. Moi, je te le dis, je suis spécialiste hein, sur Rainbow Six, on est descendu 2 fois, on est monté 2 fois. Donc, pourquoi, en termes de viewership, c'est ça prend pas alors que le jeu est excellent et... C'est trop élitiste. J'ai l'impression que c'est. Non, bah, j'ai l'impression que les chiffres sont Strike, bons. Finalement, c'est quoi. C'était bien parti, Rainbow en plus. Hein, non, mais là, les. Bon, en termes de viewership sur les finales, c'était quand même pas si dégueulasse que ça, quoi. Après, c'est toujours la même chose, quoi. C'est juste parce que les gens veulent des trucs de pimpin, quoi, c'est tout. Non, voilà, que voulez-vous qu'on vous dise hein. God damn it. Sincèrement, les stats de Rainbow Six sont bonnes. Je pense que ça monte, hein, objectivement. Oui, non, ça monte. Hein. C'est juste, je pense que c'est sûr que si tu le compares à d'autres bon, jeux... Ouais, bon, c'est toujours pareil. Avec les drops, tu sais jamais... C'est difficile de parler de viewership avec les drops, quoi. Enfin, sur les events, quoi. Faut-il compter les drops? Faut-il... voilà quoi, t'enlèves les drops, je vais pas dire qu'il y a plus grand monde, hein, mais il y aura forcément moins de monde quoi. Donc c'est vraiment délicat, hein, c'est vraiment délicat de comparer une compétition à une autre en termes de viewership quoi. Quand tu sais qu'en plus sur parfois les mecs, certains éditeurs de jeux n'hésitent pas
à payer pour augmenter le nombre de viewers, quoi, tu vois, de payer certains emplacements, voire, bon, je sais pas, enfin, du botting ou des trucs comme ça, quoi. Y a des choses quand même qui permettent d'augmenter la visibilité, enfin, d'augmenter ton nombre de viewers et de booster un peu tes stats qui sont un peu sketchy quand même de temps en temps, quoi. Les drops, bah, ça fausse un peu la donne, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein, mais voilà, quoi. Le vrai problème de R6 en termes de viewers, c'est à l'heure actuelle, dans les compétitions, c'est le fait de ne pas autoriser les viewers parties, là. La volonté d'Ubisoft du tout contrôle, c'est ce qui amènera la fin au jeu, en fait. C'est ce qui tuera le jeu, je pense, in fine. Voilà, on a envie de tout contrôler, mais c'est ce qui tuera le jeu, je pense. Il faut laisser les viewership, les viewers parties, il faut laisser les personnes. Moi j'aurais bien aimé me mettre en mode viewer party, même si on est moins, parce que les gens vont sur les streams principaux pendant le Six Invitational. Là, je l'aurais regardé pour le coup, parce que ça me fait marrer de le regarder avec du monde, quoi. Mais non, on est obligé de juste mettre le score, et encore, c'est un peu sketchy et tout. Il y a trop de gens qui le demandent, quoi. À côté de ça, même un Shroud qui avait kiffé le jeu, quand il est sur Valorant, mais en ce moment, il est sur World of Warcraft, quoi. Il est sur Valorant, il fait 250k viewers, enfin, au moins 125k. Le dernier tweet que j'avais dû poster, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps, du 27 mai. 125k. 125 000 personnes qui regardaient Shroud regarder du Valorant, quoi. Mais non, ça, c'est une volonté encore un peu élitiste, un peu Ubisoft-centrée. De tout vouloir contrôler et d'avoir la mainmise sur tout, quoi. Derrière un peu des apparences en plus de ouais, on est super cool comme entreprise, ben non, ils sont quand même un peu comme ça, quoi. Et encore demain, je serais même pas étonné que dans cette logique très très politique dans laquelle baigne un petit peu R6, je serais même pas étonné, honnêtement, que si ils autorisent les viewers party, ils les autorisent pas pour tous les streamers. Ils pourraient les autoriser avec des trucs genre comme ça, à la volée de certaines personnes. Entendez du coup certaines personnes qui s'entendent bien avec les personnes qui bossent chez Ubisoft, quoi. Donc en règle générale, certaines personnes qui ont rarement dit du mal du jeu, qui vont toujours un peu dans leur sens, etc. Mais cette espèce de contrôle, cette mainmise là sur cette pression qui n'en est pas une, bien évidemment. Ils vont pas payer des joueurs pour aller leur dire « dites du bien nous ». Non, en revanche, c'est plus insidieux que ça. C'est pas tout à fait pareil. Si tu continues de dire du mal, il y a des chances qu'on t'invite pas trop, ou il y a des chances qu'on te voit moins, etc., etc. Ça, c'est naze. Et ça, sur les viewer parties, il y a des chances qu'ils fassent ça, quoi. Voilà. Donc, sous-entendu, de façon très transparente, s'ils autorisent des viewer parties qui ne seraient pas autorisés à tous les streamers, je peux me brosser. Beaucoup plus de bruit et qui ouais. Rocket League va être un jeu tyran quoi qu'il arrive, c'est un jeu monstrueux, trop bien, etc. Et en plus bien backé quoi. Mais je pense que vraiment le taf de Rainbow Six, ils ont fait un écosystème qui est sain, le seul problème de... Après, cela dit, sur la partie organisation e-sport, ils sont partis de rien, c'est quand même méga propre, hein. C'est quand même méga propre quoi, l'European League et tout, c'est super propre et tout, les personnes qui bossent sur les ligues nationales, bon, il y a eu des couacs de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé de me frictionner de temps en temps par rapport à certains trucs, quoi. Surtout quand ils avaient fait leur Ligue Nationale, où à l'époque, ils n'avaient ni pris BDS, ni pris Youngtis, quoi. Et je leur avais dit, vous êtes... Enfin, voilà, vous voulez faire des viewers ou vous voulez pas faire des viewers? Ouais, mais non, il nous faut une certaine stabilité financière. Ouais, ok, mais il y a de grandes chances que BDS et Youngtis, je connais un peu l'écosystème, dans quelques années, ils soient toujours là et on puisse faire un truc pendant toute la saison. Bah non, ils ont préféré partir avec des Bastilles machin là, des trucs qui ont fait un joli dossier comme à l'école, etc. Avec peut-être une force financière, une certaine stabilité financière. Mais la stabilité financière, elle ne fait pas tout quoi. Elle fait pas tout quoi. Voilà quoi. Donc d'un côté, on avait Youngtis qui ne présentait pas de stabilité financière, donc ils les ont pas pris. Et de l'autre côté, c'était BDS, c'était un peu sketchy, quoi. Ouais, mais bon, la vérité, c'est, voilà, il y a des comptes, c'est pas en France, donc on ne sait pas trop comment faire, quoi. C'est ça, la vérité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été pris de la première fois, quoi. Je peux comprendre d'un côté, hein. Mais bon, l'avenir a parlé derrière. Il y a eu une saison ou deux pendant lesquelles il y a eu des équipes ou des dons d'équipes qui n'étaient jamais sur le jeu avant Bastille Legacy, c'est ça, non? Et qui sont partis après, en fait, quoi. Et qui n'ont rien laissé, quoi. Il y a des noms qui ne parlent pas et qui ne parleront jamais dans l'univers de Rainbow Six, quoi. Il y en a qui parlent.
Et parfois, ce côté marketing et storytelling, il l'oublie un petit peu, quoi. Et là, il est totalement oublié. Moi, je m'étais bien frité à l'époque quand il y avait eu ça, quoi. J'aurais dit, attends, c'est pas normal que l'équipe qu'on venait de former avec le Unity Royale à l'époque ne participe pas au, ne soit pas dans le truc national, quoi. Ils n'avaient pas pris les deux équipes qui sont restées plus longtemps après. Bon, je sais pas après lesquelles autres, mais voilà. Assez dingue. Merci évidemment Barbe Noire pour les 2 mois de frais de scolarité et Bipo pour les 11 mois de frais de scolarité. Merci Poulet, un monstre. Moi aussi, que je pense, c'est la qualité des, du multijoueur. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de les serveurs. Ça, c'est vrai, hein, le jeu est vraiment. Du coup, il n'y a pas beaucoup de renouvellement, en fait, non, finalement, de ça. Quoi. Pardon, parce que oui, effectivement, je n'étais pas au courant des chiffres. Parce que pas même la finale. Renouvellement de quoi du multijoueur. C'est qu'ils ont fait un jeu monstrueux, trop bien, etc. Et qui fait beaucoup plus de bruit. Et qui a une, et je pense que c'est sûr que si tu le compares à un autre jeu comme Rocket League, qui fait beaucoup plus de bruit, et qui, a une, et qui ouais. Rocket League va être un jeu tirant, quoi qu'il arrive. C'est un jeu monstrueux, trop bien, etc. Et en plus, bien backé, quoi. Mais je pense que vraiment, le taf de Rainbow Six, ils ont fait un écosystème où, qui est le seul problème de Rainbow Six, je pense, c'est la qualité des, du multijoueur. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de les serveurs, ouais. Le cheat, ouais, et du coup, il n'y a pas beaucoup de renouvellement en fait. Non, mais... finalement. Ouais, mais bon, le cheat dans les multijoueurs. Là, j'ai pas envie de taper plus que ça sur Ubi, quoi. C'est pareil un peu partout, quoi, honnêtement. Hein. Moi, je suis le premier à. Bon, voilà, ils ont eu des politiques de temps en temps qui étaient en mode un peu laxiste, Ubi, sur le cheat, ça c'est clair, quoi. Voilà, je pense que de temps en temps, il aurait fallu montrer 2 ou 3 exemples. Ils l'ont pas fait, bon, voilà, quoi. Après, je peux comprendre aussi la. Enfin, je peux comprendre vite fait, quoi. Maintenant, bon, c'est pas ça qui va faire que les cheaters, bon, ils en ont rien à foutre de... C'est le système en lui-même qui est un peu défaillant pour le coup, le système dans le jeu, l'anti-cheat dans le jeu, quoi. Et in fine, en fait, c'est le moteur du jeu avec qui doit avoir beaucoup trop de failles, je pense, quoi. Mais d'un autre côté, bon, c'est un peu pareil, je pense, sur beaucoup de jeux à l'heure actuelle, même des jeux tier 1, quoi, même des jeux qu'il a cités, pourquoi pas, quoi. De ça, quoi. Pardon, parce que oui, effectivement, j'étais pas au courant des chiffres, parce que pas même la finale a fait 300 000 viewers, tout ça. Drop, attention. Il y a de belles équipes, etc. Non, sincèrement, Ubisoft fait un gros taf là-dedans. Ce qui est vraiment ce qu'il faut qu'ils arrivent à corriger, effectivement, c'est la qualité du matchmaking. Et je crois que là, ils ont accepté Faceit. Du coup, il y a un modèle un peu similaire à Counter-Strike, où justement, il y a des Faceit français ou des choses comme ça, etc. Donc, non, ça va. Sincèrement, Rainbow Six, c'est un jeu qui va dans la très très bonne direction et qui est clairement prétendant au tier 1. R6 et Rocket League, je pense. Bah, Rainbow Six a été dans le tier 1 et après il y a eu le Covid. Bon, ça, voilà quoi. Prétendant au tier 1, il l'a déjà été. Bon, après, tier 1, tier 2, tier 3, là, les trucs de. Voilà quoi. Qui décide, comment est-ce qu'il le décide, etc. Bon, c'est un peu. Voilà. Mais non, clairement, d'un point de vue e-sport, Rainbow Six, c'est quand même méga propre, quoi, hein, on va pas se mentir. S'il reste bien un truc qui est propre, le Six Invitational était quand même bien organisé, quoi. Leur capacité à organiser des events qui sont pas déconnants, voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est le truc, pour le coup, même si je balance du sel, ça me fait rigoler de temps en temps et tout, mais c'est quand même méga bien organisé, quoi. Hein. Le Six Invitational, c'était quand même bien propre, quoi. Je pense, de toute façon, dans les jeux e-sport à regarder sur les 3-4 prochaines années, qui peuvent devenir des tiers 1, c'est ces deux-là. Ouais, je pense Rocket League, et là, actuellement, si vous aviez des tiers, c'est quoi? C'est, il y a Counter-Strike, League of Legends, Dota, vous le mettez en tier 1. League of Legends, Dota, je le mets en tier 1 aussi, parce que cash price du TI, tout simplement. Et de toute façon, c'est juste en Europe, dans tous les cas, que Dota est juste. Puis même, c'est un jeu en Ukraine, Russie, Asie, c'est Dota 2, c'est trop fort. D'accord. Vous mettez Fortnite dedans? Ça dépend des périodes. Je l'aurais mis en tier 1 sa première année, là, je le mettrais en tier 2. Ouais, moi, je le mets tier 2 aussi. D'accord. Voir tier 3 sans coupe du monde. Ah, parce que ça m'intéresserait de voir un peu les tiers justement qui. Ouais, moi je mettrais tier 2, tier 3, ça dépend. Et par contre, Overwatch, tier 3. Tier 1 en termes de croissance, parce qu'il y a quand même la communauté qui est autour de Fortnite, elle est surengagée et hyper attachée au jeu. Donc ceux qui restent et qui consomment du Fortnite, ils ont un engagement 4 fois plus Fortnite, c'est plus un jeu maintenant, c'est devenu vraiment une marque. Mais t'as vraiment des mecs aussi qui. Il parle de R6, mais il maîtrise pas le sujet pour moi. No offense pour bon, Dogby, je le connais pas, mais Gotaga, on a quand même on s'est quand même entretenu 2-3 fois. Laure, on se connaît pas personnellement, mais on s'était rencontré à l'ouverture du Canal eSport Club. Bon, Laure, elle est très LOL oriented, quoi, hein. Elle est très très League of Legends, Riot, quoi, mais bon, ça l'empêche pas de connaître son sujet sur l'intégralité de l'eSport. Rainbow Six, ce qu'elle a dit, c'était pas déconnant, quoi, mais bon, on sent bien que c'est pas sa passion, quoi. Gotha sur R6, bah avec les chiffres, voilà, avec tout le respect que j'ai pour la personne, qui est vraiment un mec cool, bon, il est largué sur R6, je pense, mais c'est normal, il est autant largué sur R6 que moi je suis sur Warzone, sûrement. Et Dogby, bon, voilà quoi. Mais Néo, non. Néo, il connaît son sujet, non. Il a la tête sur les épaules comme garçon. On s'est rencontré 2-3 fois, il a vraiment la tête sur les épaules et il connaît forcément.
le microcosme ou l'environnement des équipes dans lesquelles il a des rosters engagés. C'est obligé. C'est obligé. T'es obligé de t'intéresser quand même à l'avenir du jeu, quoi. Si t'entends 2, 3, 4 fois, 5 fois que Rainbow Six, ça commence à puer la merde, c'est là que tu commences à se dire « Ok, bon bah, je sais pas si on va garder une équipe, en fait. » Parce que ça, c'est important pour lui. Voilà, quoi. Donc, il a forcément des stats en se disant « Ok, non, on a une légitimité pour garder une équipe, quoi. » Et donc, il connaît, in fine, l'environnement du jeu. Voilà. Ils sont juste... Ouais, c'est un Disney, ils adorent ouais. ce jeu. Ils consomment que ce jeu-là, encore. Il y en existe beaucoup. Mais je pense que l'année prochaine, sur une année Coupe du Monde, je pense que Fortnite sera top ouais. tier 1 ouais. largement. Ouais, il y aura l'attente, en ouais. plus, parce qu'on reste sur la première Coupe du Monde. Il n'y en a pas une deuxième. Là, les gens vont attendre au tournant. Donc, à mon avis, on va avoir à nouveau un élan de Fortnite sur Puis, ils ont prochaine. Un jeu qui est installé... Mais on est sur 2h42 de show. Et ils ont parlé de Rainbow Six en le plaçant comme une possibilité de T1. Ils en parlent 3 minutes, quoi. 3 minutes. Voilà, bon, après, visiblement, ouais, il y a des sujets qui n'ont pas vraiment leur... C'est qui sont beaucoup plus généralistes sur l'e-sport, là. La Déral. Mais bon, la Déral, c'est quand même un peu code-oriented, quoi. C'était une époque bien, à mon avis, bien connue de Gotaga, pour le coup. Voilà, quoi. La Déral, pendant des années, on n'a jamais entendu parler, quoi. Première LAN de code, on parle de code, le salaire des joueurs pro, les Roadster Vitality, le Roadster Vitality, ok. La Camin Corp, championne d'Europe, donc boum, on se tape 5-6 minutes de League of Legends. Réseaux sociaux, les gens oublient. Être sain dans l'e-sport, ok. L'épopée Fortnite. Ok, non, bon, c'est une vision globale et généraliste de l'e-sport. Donc, bon, c'est vrai qu'ils ne rentrent pas forcément dans les détails, quoi. Mais là, on reparle de Kameto, les fanbase et incubateurs. Donc, boum, encore du League of Legends. Le tweet Seiken, le trash talk et les dramas. Et je suis presque sûr que là. On parle encore de la LFL. Un petit peu partout, sur tous les PC, sur tous les trucs, etc. Voilà. Ils envoient... C'est quoi la Déral ? La Déral, c'est une drogue, c'est une mésamphétamine. Donc, comme toutes les mésamphétamines, l'idée, c'est d'augmenter... ouais, franchement, je vais vraiment prendre un raccourci que je ne devrais pas prendre, mais bon, c'est d'augmenter tes capacités intellectuelles. Quoi. Voilà. C'est des mésamphétamines, quoi. Voilà, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Voilà. Bon, les mecs sous Adderall, tu les vois, hein, ils ont les pupilles comme ça, machin. Voilà. Mais bon, dans les LAN CS et tout, enfin, je sais pas, ça a dû se faire à un moment, quoi. Même Shroud a dit qu'il en avait pris, donc bon, voilà, quoi. C'est du dopage, c'est de la triche. Et pour moi, c'est ban life, comme tous les cheats et comme toute la triche, quoi. Hein. Point barre à la ligne. Allez, suivant. Voilà. C'est un psychostimulant d'après Wiki, oui, mais je pense que ça doit être de l'ordre des mésamphétamines. Je pense pas trop de me tromper. Adderall, Wikipédia, on va regarder ça. Le nom commercial pharmaceutique d'un psychostimulant ou amine symposionin constitué d'une combinaison de 4 sels d'amphétamine. Voilà. Principalement utilisé dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec l'hyperactivité. Ça, c'est, hein, ça, c'est le bon TDAH, là. Ça, c'est le bon truc américain, ça. Hein, voilà. Il bouge un peu, votre enfant ? Ouais, faites-lui prendre ça. Ouais. Quoi ? L'éducation ? Alors, deux pilules par jour, l'éducation dans le cul. Hein, voilà. En suppo, direct, quoi. Ouais, c'est ça. Il veut prendre une M4 pour aller à l'école ? Ouais, ben, bienvenue aux États-Unis, madame. Hein. Trois pilules, du coup. Putain. Et de là, narcolepsie. L'Adderall est généralement efficace dans le traitement des symptômes. Ouais. Les effets secondaires de l'Adderall varient d'une personne à l'autre, mais comprennent le plus souvent l'insomnie, la xérostomie, je connais pas, est un état de sécheresse de la bouche, ok. La perte d'appétit. Le risque de développer une dépendance est négligeable, comme l'Adderall est utilisé dans le cadre de la prescription des doses quotidiennes relativement faibles. Nanana. Alors ça, c'est toujours marrant. Maintenant, il y a un truc que vous pouvez faire quand vous allez sur Wikipédia, parce que, voilà, tu tapes EN ici. Voilà. Ok. D'où l'importance parfois de savoir lire anglais.
Donc, latéral, emiasis, a trainings are a combination drug for salt and amphétamine. Du coup, the mixture is composed of equal... Bon, ça, c'est la même chose. Ils ont juste un... And dextroamphétamine, ok? Radio between dextroamphétamine et levoamphétamine and an intermediate of amphétamine. Both and, stimulants, but differ... an effect profile distinct from those of... On s'en fout, non? Marketed as Everco. Oh, ça, c'est les noms pharmaceutiques. Adderall is used in the treatment of la DHD. Ou la narcolepsie. Narcolepsie, c'est quoi déjà? Exactement. Is a long-term disorder. Vas-y, ça m'énerve. La classification chez les Américains, elle m'énerve. Et ils te mettent tout le monde dans des cases, là. Putain, c'est les pires. All right. Du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà. C'est quoi? Beaucoup trop de noms en amine pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, bref, c'est une drogue et c'est censé augmenter tes... Schraud disait que ça augmentait ses capacités de concentration. Et il ne les prenait que pendant que pendant le strat. Ah, d'accord, ok. Putain. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? C'est de la merde. Hein, voilà. Mais à la base, aux States, ils prenaient ça avant des cours, en fait. Avant des examens. Voilà, quoi. Ça veut dire que tu t'endors tout le temps. Ouais, pourquoi? Pour la narcolepsie? Ok. Moi, j'avais entendu dire que ça faisait un effet tunnel et un état de concentration extrême, augmentation de tes perfs. Et je dis peut-être des bêtises. Bon, ça peut être ça, oui, ça peut être ça. Hein. Voilà, quoi. Aussi, pour les problèmes d'échec, d'érection. Ok. Ok, d'accord. Ouais, du coup, ok. Ah, d'accord, la drogue, c'est mal, non? Non, pas forcément. La drogue, déjà, tu sais. Voilà, quoi. Non, pas forcément. Mais celle-là, ouais, je pense que... Ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas ouf. Je pense que c'est pas ouf. Bah, en tout cas, dans le cadre de l'e-sport, c'est de la triche. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est légal pour certains cas. Oui. Alright guys, du coup on va passer dans le bureau. On va passer dans le bureau et comme je vous l'avais dit sur le campus de la Salty Academy, merci Barbe Noire pour les 2 mois de frais de scolarité, Bipo pour les 11 mois de frais de scolarité, merci infiniment Poulet, t'es un putain de monstre, merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit aujourd'hui, eh ben, j'avais commencé à 14h le live. On le termine donc à 18h, j'ai des trucs à faire, demain des trucs à faire aussi, je sors du campus de la Salty Academy, petite randonnée de quelques petits kilomètres, hein, histoire de se remettre en jambes, bam bam bam, hein, votre proviseur se respecte, il va se bouger le fion, ok. Ensuite retour lundi, voilà, avec probablement un teach-us, mais sans promesse là-dessus, j'espère que d'ici là on aura avancé sur le Youngtis Royal, je mets des guillemets parce que le nom n'est toujours pas arrêté, j'espère sincèrement pouvoir le commencer en juin, ce serait absolument... parfait, voilà, bon, bah voilà, j'ai même pas besoin de le demander, il l'envoie sur le campus de la Salty Academy, le son qui marque la fin de ce stream, les fermetures du porte du campus, et vous surtout, un bon week-end, puisqu'on se retrouvera lundi, j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière, une fois de plus, tout ça, c'est des noms de monstres, les surveillants, les membres du Salty Fan Club, à savoir les nouveaux followers, les anciens et nouveaux étudiants au campus de la Salty Academy. Les cheerers, beatsers, donateurs. Les personnes qui vont faire point d'exclamation YT et point d'exclamation YT replay pour aller sur la chaîne replay sur laquelle je viens de mettre une vidéo à l'heure actuelle, à l'instant. Bref, toutes les personnes qui font que la Salty Academy, vous le savez, ira to the fucking top. Et d'ici à lundi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon et agréable Discord. Putain, je suis trop con. Un bon et agréable week-end sur Discord. Et de vous rappeler une fois de plus que certes, on est salty. Oui, mais...